La tronche en live. L'émission de l'esprit critique en direct et en public avec Vlad Tapas et Assermandax. Allumé. Oui. Ton téléphone est allumé, Vlad Tapas. Oui, bien sûr. Hein. J'étais en train de juger très très sévèrement Mandax qui tout à l'heure m'engueulait parce que mon téléphone n'était pas était en silencieux et qui vient d'avoir le live, le chat qui s'est lancé sur son truc. C'est intolérable. Quelle indignité. Des choses bizarres se produisent de temps en temps. Tous les jours, des événements improbables ont lieu. Chaque fois qu'une personne gagne à la loterie, alors qu'elle avait 900 999 chances sur 1 million de ne pas gagner, c'est pas beaucoup. L'improbable donc se produit. Chaque fois que, par coïncidence, votre cousine Jessica, ou Simone, ou Mireille, ou n'importe quelle cousine, ça fonctionne avec n'importe quel modèle, chaque fois que cette cousine vous téléphone au moment pile où vous ne pensez pas à elle, c'est-à-dire, une synchronicité a lieu. Et personne ne le remarque. N'a pas lieu. N'a pas lieu, c'est vrai. Lieu. C'est exact, merci. Vérification. Et... J'ai encore le refaire. Hein. Merci. Il n'y a pas de micro. Bon. Et personne ne le remarque, hein, quand une cousine de n'importe quel modèle ne vous appelle pas, ou vous appelle et que vous ne pensez pas à elle. Tout ça. Des choses totalement renversantes se produisent en ce moment même. Des baleines et des oiseaux migrent sur des milliers de kilomètres, sans GPS, sans cartographie, sans même parfois savoir où elles vont. Les abeilles construisent des alvéoles hexagonales sans jamais avoir appris la géométrie à l'école. Je ne vous parlerai même pas des termitières et de leur système de thermorégulation. Les planètes se déplacent presque toutes dans le même plan. Et si nous les ramenions à la taille d'une boule de billard, elles seraient plus lisses que nos boules de billard. Le microplancton produit la majeure partie de l'oxygène de notre atmosphère. Ce qui était au départ un poison métabolique a jadis transformé les paysages oxydé les roches et décidé que certaines lignées animales allaient coloniser le monde pendant que d'autres allaient s'éteindre. Un battement d'ailes de papillon à Saraltrof peut provoquer la pluie plutôt que le beau temps 2 semaines plus tard dans le Wiltshire. Des causes modestes peuvent avoir des effets importants. Les simples particularités de la matière produisent des phénomènes complexes et imprévisibles. Le hasard produit parfois des régularités. Le monde est infiniment complexe. Notre ignorance est colossale. Mais nous savons comment est apparu le crop circle de Saraltrof. Savoir cela nous permet de raisonner en terrain solide. Grâce à cette connaissance, on peut tester la fiabilité des experts, la validité de leurs méthodes, la réalité de leur capacité à percevoir des énergies à partir desquelles ils prétendent avoir accès à des connaissances qui échapperaient aux sceptiques. Le simple fait d'avoir la véritable origine de cet agroglyphe éclaire soudain tous les discours qui y font référence et nous renseigne sur la confiance que l'on peut accorder aux différentes personnes qui vont en parler. Ce que nous avons constaté, c'est le vif désir de conclure à une origine non humaine, de conclure au sens du message qui serait ainsi transmis, de conclure sur l'identité des auteurs, de conclure sur la qualité des énergies ressenties. Énergie avec beaucoup de guillemets, s'il vous plaît. Aussi. Et toutes ces conclusions définitives ont en commun de s'appuyer sur l'ignorance de ce que nous savions, mais aussi sur une incroyable quantité d'autres ignorances sur les fameuses énergies, sur les êtres à l'origine du message, sur ce qu'il se passe quand on écrase du blé avec une planche, sur le nombre de pures coïncidences mathématiques que l'on peut trouver dans un dessin simplement construit avec des cercles, sur le nombre de mouches mortes qu'on retrouve sur un champ normal, sur le fonctionnement du cerveau de celui qui veut croire à l'intervention d'une entité mystérieuse. Le mystère est un habit commode pour l'absurdité, a dit John Adams. Prenez des notes, c'est joli. Si la science est la recherche systématique de l'erreur, le crop circle de Saraltrof a peut-être mis en évidence une erreur récurrente et fatale dans la logique de ceux qui veulent voir dans les crop circles et dans les ovnis la manifestation d'une intelligence non humaine.
C'est l'erreur qui consiste à fonder son raisonnement sur des choses que l'on ignore, sur des hypothèses spéculatives qui ne recouvriront pas l'ensemble des possibles. C'est l'appel à l'ignorance souvent couplé à un retournement de la charge de la preuve, où ce serait à l'autre de prouver qu'on se trompe. Nous sommes ce soir en compagnie de la petite équipe du Crop Circle de Sarah Altroff, et il semble que ce projet a montré que certains experts se trompent, sauf erreur de ma part. Bienvenue donc dans La Tronche en live. Oh là là! Alors, si j'avais un pendule, je mesurerais les bovis, mais ici, on va être un peu plus sérieux que ça. Bisous. Donc, ce soir, nous sommes... Donc, toute l'équipe est là, plus ou moins. C'est-à-dire que Hygiène Mentale, Christophe d'Hygiène Mentale, nous a laissé un petit message vidéo qu'on verra tout à l'heure. Je ferai signe à la régie pour qu'on mette le message. Pour les autres, on a ce soir... deux éminents ufologues que vous voyez assez peu sur YouTube, qui sont Francine Cordier et Patrice Serret. On les applaudit. Plus fort ! Alors, pas ufologue. Francine ? Je me permets de rectifier, je ne suis pas ufologue, je suis ufo-sceptique. Enfin, ufologue sceptique ? Non, même pas ? Bon, ufo-sceptique. Oh, la terminologie, c'est compliqué. À côté, bon, il y a Arnaud, sans les geeks. Bonjour Arnaud. Merci d'être là. Prends le micro Arnaud. Salut Thomas. Foutez le bordel ! Alors, là. Si je peux demander aux gens qui regardent le live de flouder un peu le chat pour faire chier les modos. Oh non. Arrête, ils vont le faire. Je lui enlève le micro. Non, attends, rends le micro et tu retiens ce que tu as dit. Ok, floudez-le encore plus. J'ai bien dit, je l'enlève. Bon. Et nous avons avec nous PA de la chaîne... Zététique et journalisme. Non. Journalisme, dis-nous, qu'est-ce que tu... Un Mondrian. Oui. C'est la chaîne Un Mondrian, oui, et c'est mon format zététique et journalisme. C'est le format. Ouais. Non, mais les terminologies, c'est la cool pour chiant, tout le monde. C'est ouais. Voilà, c'est tout, on va s'arrêter là. Et je dis Patrice et Francine, les deux ufologues sceptiques ou l'ufo-sceptique, voilà. Et nous avons... Pas le chat, c'est pas gentil. Non, on va vérifier si on peut entendre sa voix juste quelques instants pour être sûr qu'il est parmi nous. Parmi nous, est-ce que El Defecatore... On va invoquer Defecatore. C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr parce que bon, les esprits ce soir sont un peu contrariés. Faites monter les bovis, faites monter l'énergie, projetez de l'amour un peu. Plus que ça. Écoute pas ! Ouais, non. A-t-on El Defecator ou n'a-t-on pas El Defecator ? Ah oui ou un non ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est sa flûte magique. Allô ? Allô ? Ça y est, on t'a entendu. Voilà, donc tu es parmi nous, hein. Tu confirmes que tu es là ? Je confirme que je suis là et j'ai entendu, je mesure l'énergie de cette tronche en live. Oui. Et on entend le. Mais pour l'instant, c'est pas terrible, hein. On est sur du 1000 bovis, 2000 bovis, donc il va falloir vraiment faire monter le truc. Ah quoi. Oui, c'est assez peu en fait. Alors, esprit de défécator, est-ce que tu peux faire bouger les meubles, s'il te plaît ? Non, on va, en fait, non. Donc, on va passer une heure ensemble à discuter sur le plateau et avec El Defecator en ligne, et après on passera une heure à échanger avec les gens du public, qui sont nombreux, et dans le chat, ils sont déchaînés. Morgane, on est d'accord qu'on se rejoint après pour casser la gueule à Arnaud quand le live est fini. On a 2750 personnes qui floudent. Encore. C'est un manque de respect. C'est un grand manque de respect. Alors, l'ambiance est sympa, mais il y a des gens qui... On a des modérateurs qui donnent de leur temps, qui sont bénévoles. On les aime beaucoup et on va les perdre à cause de tes conneries. Il est content, il est fier. Bon. Pourquoi sommes-nous allés faire un crop circle à Sarah Altroff dans la nuit du 9 au 10 juin ? Je donne la parole à l'instigateur du projet. Voilà. En gros, c'est toutes choses qu'on a déjà dit, mais est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter sur pourquoi est-ce qu'on l'a fait comme ça ? D'abord, pourquoi toi et pourquoi nous ? Pourquoi est-ce qu'on l'a fait ? Disons, la genèse du projet, c'est que dans le coin où j'habite, des crop circles, ça fait, je ne sais pas, 15 ans qu'il y en a quasiment un tous les ans. Quoi, c'est tant le bordel que ça ? Floude, cœur, rien. Yeah, floude, soyons fiers. Floude, les modos, bon courage. Floude. Où est le respect ? Floude. T'es content ? Ah oui. Voilà.
La dernière fois que j'ai fait une table ronde, j'ai engueulé le chat en direct. J'en ai dit que c'était des gros nazes. Ils m'en ont beaucoup voulu d'ailleurs. Bah, donc. On a plus d'heure, c'est ça ouais, je crois qu'on a plus d'heure. Oh, ils ont une heure pour se calmer, c'est pas grave. Bon, donc, ce qui s'est passé, ça fait bien 15 ans qu'il y a des crop circles dans le coin par chez moi. Et ça fait des années aussi que je vais les voir parce que bon, je trouve ça chouette et puis je me doutais bien que c'était des gens qui le faisaient. Et ça fait aussi quelques années que. Bah, y a des gens qui viennent et qui prétendent que c'est fait par les extraterrestres. Et ça me trottait dans la tête depuis quasiment le début de la chaîne Astronogeek, en fait. Et quand j'ai c'était début d'année, il y a un spécialiste dont je ne citerai pas le nom, qui est venu faire une conférence près de chez moi. Une conférence je crois qu'il a un nom à consonance italienne, un peu comme ça, voilà. Il ne se fait pas payer, il est bénévole, hein, mais c'était 7 euros l'entrée, sans payer la salle, il était hébergé par quelqu'un. Bon, voilà. Il y avait 200 personnes qui sont venues, mais il fait ça en pur bénévolat. Hein. Donc, ce monsieur est venu, a fait une conférence de 3 heures. Putain, si j'avais su, j'aurais pris des médocs avant, hein, parce que c'était, je ne vous raconte pas le mal de crâne. Mais vraiment, parce que c'était 3 heures de géométrie sacrée. Alors vous voyez, là, il y a un cercle qui est tangent à une droite, qui est tangent à un cercle, qui est machin. Enfin, j'étais retourné au CP niveau géométrie. Et quand j'ai vu ça, c'est ça qui m'a décidé, qui m'a dit, non, là, il faut que je teste ce mec. C'est, enfin, celui-là, bon, il dit qu'on l'a testé lui tout seul, mais en fait, je voulais tester d'autres spécialistes aussi. Malheureusement, c'est le seul qui est venu. Mais c'est un habitué de la région, a priori. Bon. Et donc... Je me suis dit, il faut que je teste ces histoires de géométrie sacrée, ces histoires d'expertise sur les aliens, etc. Mais quand je me suis dit, on va faire un crop circle, je me doutais bien que c'était faisable avec des planches et de la ficelle. Mais je me suis aussi dit, ça va nous prendre la nuit, ça va nous prendre un temps fou. Donc je me suis dit, il faut que je réunisse une équipe. Donc qui de mieux que de prendre des autres youtubeurs, des sceptiques, etc. Je me suis dit, on va faire une bonne grosse collab des familles. Et je pense qu'on peut plutôt être content du résultat. Je pense que ça a profité à tout le monde. Et il y a des collègues sceptiques qui n'ont pas pu être là et qui sont jaloux. Oui, donc, et d'ailleurs... Salut à Sam, salut à... Il y a qui d'autre Alors, j'ai invité beaucoup de monde. En fait, on a un groupe Facebook. On est entre sceptiques et on discute. Et j'ai proposé à tout le monde, j'ai dit, on va faire un crop circle, qui vient hein. Il y a quasiment tout le monde qui a dit, je viens. Et puis, comme toujours dans ces cas-là, tout le monde est OK pour venir. Et puis... Plus la date avance, plus ça écrème, plus il y en a un qui dit j'ai un mariage, moi j'ai piscine, moi j'ai machin. Donc on s'est retrouvé à 7 à la fin, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Oui, on s'est retrouvé à Saratro. Ouais. Bon. Alors juste, quand même. Je vous laisse 2 secondes pour comprendre alors, la vanne. Je te coupe la parole, oui. Comme un malpropre, pour dire aux gens que réellement, arrêtez de flouder, parce qu'il y a des gens qui veulent échanger. Ouais, non, arrêtez de flouder, c'était drôle 2 minutes. Alors, c'était rigolo. Et maintenant, comme on est sur une chaîne de vulgarisation des sciences, on aime être sérieux parfois, et moi je suis un gros connard et j'assume. Okay ouais, donc. On s'est retrouvé à 7 à Saraltrof. Et on s'est dit, on va faire ce crop circle. Donc, j'ai fait des dessins avant, j'en ai testé plusieurs, j'ai fait quelques calculs pour essayer de deviner combien de temps ça pourrait nous prendre, j'en avais aucune idée. On avait prévu la nuit, hein. On avait prévu la nuit pour faire ce crop circle, on a mis 1h15. Alors, sur les différentes vidéos, on a tous estimé une durée différente. Oui, c'est marrant, oui. Alors, toi, tu as dit 1h30, quelqu'un a dit 2h, moi, j'ai dit 1h. Oui, alors, je vais expliquer voilà. Ça. C'est parce que moi, j'ai compté le temps où on a fait le crop circle. Mais il se trouve qu'entre le moment où on arrive, où on installe les lumières, les caméras, alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que, bon, on voulait quand même avoir la paix. On ne voulait pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne voir ce qu'on était en train de faire. Donc, on a installé les lumières. Puis, je me suis barré, j'ai fait le tour par la route pour voir si on voyait quelque chose de loin avant de revenir, etc. Et pendant tout ce temps, on était déjà sur place. Et donc, forcément, à quel moment on compte le début, à quel moment on compte la fin. Mais moi, j'ai compté vraiment la création du crop circle, c'est-à-dire au moment où on a dit on prend les planches, la ficelle, on fait notre truc et tout. Et donc, moi, j'ai compté 1h15. Mais sur place, on est arrivé, il était 11h, 23h. On est reparti, il était presque 3h du mat. Ouais, on a fait 3h15 sur place, mais à vraiment créer le truc, on a mis 1h. Ouais, voilà. Sachant que si on n'avait pas pris notre temps pour poser les caméras, vérifier l'éclairage, machin, etc., si on avait vraiment fait ça à l'arrache, en 1h, 1h15, on était parti, quoi. Voilà. Autre chose sur le régime du truc. Donc nous donc PA, donc tu étais dans le groupe de discussion. Est-ce que tu veux prendre le micro pour dire pourquoi est-ce que tu as accepté J'ai accepté parce que ça va l'air marrant et que j'avais rien à faire à ce moment-là de l'année.
Non, en vrai... Le chômage. En vrai, c'est un fléau. Non, en vrai, c'était un projet qui a été proposé à plein de gens. Et donc, du coup, bah, c'était l'occasion pour moi, petit sceptique, encore pas trop dans le bain, de rencontrer plein de personnes. Et ça, c'était cool. Et surtout, de mettre la main à la pâte, parce que c'est super chouette de faire des choses depuis nos ordinateurs, etc. Mais moi, c'était ma première vraie expérience sceptique. C'est-à-dire, on met un plan en place. L'idée, c'est de voir comment est-ce que les gens vont réagir. Et derrière, c'est d'avoir de quoi dire, voilà, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas dans les démarches des personnes qui veulent savoir sans méthode comment ça se passe. Et ça, c'était un petit peu le but. Moi, au début, je voulais pas faire de vidéo, je suis venu sans matos, sans que dalle, juste avec une paire de pompes et un pantalon, quoi. Et en fait. Non, tu étais habillé, c'est vrai. Oui, tout à fait. Tu étais très vêtu. Et comme les journaux ont fait n'importe quoi, c'était l'occasion de faire un truc dans ma partie et de faire une super vidéo sur voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec la presse et pourquoi ça a merdé tant que ça. Donc, Arnaud avait une question pour toi. Oui. Oui, alors c'est une question extrêmement prosaïque, mais bon, moi j'ai vu le bond dans les abonnés, dans les vues et tout ça sur ma chaîne. Toi, ça s'est passé comment au niveau des stats? Je crois que tu as eu une érection pendant deux jours. Deux semaines? Non, l'idée c'était que YouTube a bugué sur moi pendant un mois parce que comme mon bond d'abonnés il est passé de 6000 à 16000, il n'a pas mis à jour pendant un mois, il n'a pas compris ce qui s'est passé, ça fait pfff. Donc du coup j'avais des stats bloqués pendant un mois. Voilà. Donc oui, c'était pratique. Et sur le coup, je ne sais pas si je me suis dit, tiens, ça va me faire de la pub gratuite. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, ça va me faire de la pub gratuite. Mais oui, c'était presque un second truc, c'était fortuit. Du reste, Arnaud, quand tu as fait hier l'annonce du live d'aujourd'hui, boum, plus 1200 abonnés chez nous. Merci Arnaud. On les prend, on est bienvenus. Bienvenue. Alors, c'est un nom, ça s'appelle l'effet Antoine Daniel. Non, c'est vrai, ça s'appelle vraiment comme ça. Normalement, ça se passe le 29 du mois. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais... Alors, maintenant, j'aimerais de passer la parole à nos doyens et doyennes. Oui. Sans insister, non, mais parce que ils ont. Parce que voilà, si on a ce soir des experts du thème, c'est pas moi, c'est pas Arnaud, même s'il s'intéresse depuis longtemps, et c'est pas les autres, c'est vraiment Francine et Patrice. Et dans la salle, on a un autre expert. On verra si on peut lui donner la parole. Mais enfin, voilà, vous, ça fait des années que vous vous intéressez à ce phénomène. Donc, vous êtes déjà venu dans la tranche en live il y a très longtemps. C'était la deuxième émission ou la troisième, je ne sais plus. Techniquement, c'était pire. C'était pire. Il n'y avait pas encore Guillaume. C'était pire. Depuis que... Allez, Guillaume, on applaudit Guillaume qui est à la régie. C'est du bruit ! Voilà. On applaudit Morgane qui est... au chat, avec Vled. Oui. Ça va le chat? Oui. Et puis au son, on a Gabriel. On a Sam aussi qui aide à la modération. On a Elliot qui ne sert à rien. Chômeur. Et les plus belles images sont celles de Lise. Et donc, vous êtes venus à l'époque où on n'avait rien de tout ça, il n'y avait que Vlad et moi, et c'était la catastrophe. On avait des gens qui nous aidaient à se connecter, bref. Et déjà, on avait parlé de votre travail sur le terrain. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler quand même, voilà, en deux minutes, qu'est-ce que vous faites, Francine et Patrice? Alors, au départ, on était intéressés par le phénomène OVNI et par tout ce qui gravitait autour, dont les crop circles, effectivement, puisque certaines personnes affirmaient que ces crop circles étaient créés par des extraterrestres. Et donc, on a commencé à travailler sur le phénomène OVNI, enfin, à travailler en dilettante, hein, parce que ce n'est pas un métier. Alors, effectivement, à l'époque, on pouvait dire qu'on était des ufologues. Mais au fur et à mesure que le temps a passé et au fur et à mesure de nos propres enquêtes, de nos recherches, de la diversité aussi qui est intervenue sur Internet, dans laquelle on a beaucoup puisé puisqu'on a découvert quand même un courant sceptique bien structuré qui nous a permis de réfléchir à notre propre façon de penser. À quelle époque? Oh, c'était dans les années... Dans les années 1900 quelque chose, ouais. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, on a changé d'orientation, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que nos convictions étaient bien au-delà de la réalité des faits. Donc, on a revu un petit peu toute notre progression. La remise en question. C'est la remise en question. Elle a été longue. Est-ce que c'était douloureux? Douloureux, non. Je pense quand même que ça a été difficile. Parce qu'on était quand même dans un milieu essentiellement de tenants croyants,
Alors quand je dis tenant croyant, ce n'est absolument pas péjoratif. Hein. C'est vraiment des gens qui ont des convictions fortes, qui vont plus loin d'ailleurs que les convictions. Et donc on a changé un petit peu quand on a commencé à connaître la démarche sceptique, puisque nous ne sommes pas, je ne me considère pas comme zététicienne, je ne me considère pas comme sceptique, je me considère comme une personne qui utilise les outils du scepticisme, hein, et quelqu'un qui utilise les outils de la démarche zététique. Ce n'est pas une posture, c'est une démarche. Oui, donc pas triste. Toi, ton histoire à toi, qu'est-ce que tu peux rajouter ? J'ai d'abord, tout d'abord, j'ai juste une petite chose. On n'est pas expert, quand tu l'as dit tout à l'heure. Oui, les experts, on n'est pas expert. Relativement à tous les gens qui en parlent sur Internet, je prends la liberté de dire que vous êtes des experts. J'ai le droit ? Je le fais. Tu as le droit. Je le fais. C'est le contraste. Tu peux le dire, tu as le droit, tu peux même le penser, mais je préfère quand même l'expliquer. On n'est pas des experts. Alors, mesdames et messieurs, l'humilité. Non, absolument pas, absolument pas. Mesdames et messieurs, l'humilité. J'adore faire ça. Non, non, ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas des experts, mais que pour rebondir sur ce que disait Francine, on a appris avec le temps à utiliser les outils que propose la science, et puis voilà, et on devient sceptique par la force des choses. Ça ne veut pas dire qu'on rejette les choses, mais c'est-à-dire qu'on les prend avec le scepticisme. Avec d'abord, on doute avant de dire oui ou non. Tout à fait, voilà. Voilà, mais du coup, avant de dire oui ou non, vous, parce que vous êtes quand même expert, parce que quand il y a un truc qui se passe, vous prenez votre voiture et vous faites 1000 bornes. Vous allez sur le terrain et vous regardez, vous posez les questions, en fait vous enquêtez. Oui, mais ça c'est parce que nous sommes malades, on est passionnés. J'imagine, donc il y a un petit peu de pathologie, mais bon, on va dire que c'est sympathique. Raconte-nous, dans les grandes lignes, une enquête, comment ça passe ? Ça commence avec quelle information et quelles sont les démarches que vous faites quand vous allez enquêter sur un cas ? Alors, OVNI ou Crop Circle ? Ça c'est secret, hein, ça. En fait non, c'est pas secret. En fait, non. C'est serait, Patrice. Voilà. Alors, oui, attendez. Patrice serait. Voici. Lise, regarde. Je te montre le livre de Patrice Serret. Crop Circles, enquête en France, parce qu'il enquête partout en France. Merci de suivre. Voilà. Alors, c'est le bouquin qui m'a servi de base pour faire le dessin du Crop Circle. Voilà. Il regroupe l'analyse de pas mal de crop circles qu'il y a eu justement dans le coin. Par exemple, celui-là, si tu es toujours en train de zoomer dessus. Je me suis basé sur ces dessins-là pour dire on va en faire un dans le même style, parce que je me suis dit si on fait quelque chose de différent, on va se faire flaguer tout de suite. Donc je me suis dit on va essayer de reprendre un petit peu le dessin qui était fait sur eux. De les d'autant gens que c'est plutôt simple. Hein. Oui, ils ne sont pas foulés quand même. C'est un peu des feignants. Hein. Bon, je leur ai dit aux mecs. Hein, ça, il faudra qu'on en reparle. Oui. Patrice, vous pensez, en deux mots, parce que ceux qui veulent aller voir le détail, allez voir le live qu'on a fait avec Patrice Pensine il y a 2 ans. Mais rapidement, comment se passe une enquête ? Les sources sont différentes. On peut avoir des sources directes, c'est-à-dire des gens qui nous contactent. Et puis on peut aussi avoir des sources par la presse. Ou bien, quand on est dans le protocole du GEPAN, des enquêteurs du GEPAN, avoir ses sources par le GEPAN. Donc le GEPAN est alerté, il vous dit à vous, il y a un truc intéressant. Occasionnellement, hein, puisqu'on n'est pas payé par le GEPAN. Vous n'êtes pas payé ? Non, on n'est pas payé par le GEPAN. Vous êtes bénévole. On est bénévole. Vous êtes fou. Je trouve que le phénomène OVNI est quelque chose de super intéressant dans lequel on a appris énormément de choses et on n'a pas fini encore d'en apprendre. Donc GEPAN, c'est pour groupe d'informations. Groupe d'études et d'informations des phénomènes aériens non identifiés. Donc on n'est pas enquêteur du GEPAN en permanence, c'est-à-dire qu'on peut se prévaloir de ce titre quand on est missionné, mais en aucun cas on ne peut se prévaloir d'être enquêteur du GEPAN. C'est pas vous qui décidez, hop, là je vais enquêter pour le GEPAN. Non, absolument pas. Okay. Voilà. On est missionné. Donc, on vous alerte, vous prenez vos petites clés de voiture, un sac à dos, et vous allez à vos frais. Oui. Et vous faites parfois combien de kilomètres ? Parfois beaucoup. On traverse la France, bon, hein, puisque le GEPAN, c'est un organisme, enfin, c'est un service du CNES, hein, donc c'est français.
Voilà. Et donc, on peut aller à l'étranger, pour, mais à titre personnel, pour d'autres enquêtes en dehors de ce protocole. Et une fois sur place, alors vous arrivez juste après que l'événement ait été détecté, ou est-ce que vous revenez des années plus tard? Les deux, je crois. Quelquefois, on y est pratiquement le lendemain. Quelquefois, on y est des années plus tard, effectivement. Alors, il faut savoir quand même qu'on a eu, grâce au GEPAN, des formations. On a des formations régulières et on s'oblige à y assister. Avec Romain Bouvet, oui. Alors, Romain Bouvet, il était dans notre documentaire L'attraction mentale. Son interview n'est pas encore sortie au bout d'un an parce qu'on traîne. Donc, on le salue parce qu'il est super cool en plus. Oui, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Et donc, on a suivi des formations, non seulement avec Romain Bouvet, mais avec d'autres personnes également. Et on s'oblige, avec plaisir d'ailleurs, à suivre ces formations, puisque de toute façon, c'est toujours très enrichissant. Ceci étant, je voudrais revenir donc à l'enquête. Voilà, donc on arrive sur place. On rencontre les témoins. On applique une méthode de relever des informations qui s'appelle l'entretien cognitif, qui est toujours bien rodé. Donc ça, on en a parlé en détail la dernière fois, donc ça les gens pourront aller voir. Et on a des retours avec le GEPAN. Ça aussi, c'est très important, hein, parce qu'on sollicite le témoin, on lui demande s'il veut bien être enregistré, et puis on confie, quand il l'accepte, hein, et il sait pourquoi on l'enregistre, on lui explique, on confie l'enregistrement donc au GEPAN, qui fait étudier justement par les thésards qui sont en général au GEPAN, donc ces entretiens, et nous sommes nous testés aussi bien que le discours du témoin. D'accord, pour améliorer la procédure. C'est pour améliorer la qualité de l'information. D'accord. On évite les questions dirigées, les questions fermées, etc. Et ça fonctionne. Moi, je trouve que ça fonctionne bien. Et à la fin, il y a un rapport. Et bien sûr, nous établit. Alors, bien sûr, il y a d'autres recherches. Hein. Il y a les recherches au niveau des. Quand il s'agit d'un phénomène aérien, il y a bien sûr les recherches. On a des outils maintenant qui sont très performants, comme Planfinder, par exemple, qui est un outil. Savoir si un avion est sur la passé. Voilà, s'il y a pu avoir un avion à cette date et à l'heure indiquée par le témoin. On a aussi Stellarium, qui est un logiciel d'astronomie qui est très bien. On a d'autres logiciels pour l'étude du passage des satellites. Et on a encore d'autres logiciels qui sont plus internes au GEPAN, qui sont par exemple le logiciel IPACO, qui permet de travailler sur des photos et des films maintenant. D'accord, donc il y a tout un panel d'outils. Il y a tout un panel d'outils et nous avons aussi des formations sur ces outils parce que et quelquefois ils sont très subtils avec l'utilisation. Et donc naturellement, vous aviez aussi fait vous-même des crop circles avant, parce que c'est tous des faux faits par les humains, donc c'est alors, vous qui les faisiez, non? À propos du j'ai des bêtises peut-être. Oui. D'accord. À propos du crop circle de Sarah Eltroff. Pourquoi? Pourquoi? Alors je tenais à dire que dans un premier temps, tu t'en souviens certainement, je n'étais pas favorable à l'expérience parce que je disais plusieurs choses. La première, c'est que il y avait des gens qui associaient le crop circle de Staraltrof à des objets volants non identifiés qui auraient été vus à ce moment-là, ça me mettait en porte-à-faux avec le GEPAN. Parce que le GEPAN réagit pas au signalement des crop circles, mais réagit au signalement des ovnis. Donc du coup, il aurait pu... Alors le GEPAN, normalement, n'étudie pas les crop circles. Ah, c'est vrai. Hein? Et donc, comme il n'y a pas eu de problème de ce côté-là, voilà. Donc je les ai informés après que l'expérience ait été révélée. Hein. D'accord. Ensuite, la deuxième chose qui était importante, c'est que je disais si mon nom, Francine Cordier, est associé à cette expérience, forcément, il va y avoir des ufologues qui vont balayer l'expérience, qui vont modifier ces buts qui étaient de tester les méthodes employées pour identifier la faisabilité humaine ou non des crop circles. Et ça, j'en étais sûre, je le savais. C'est pour ça aussi qu'au départ,
je ne voulais pas être... Après, j'ai accepté le protocole, mais oui. Après, j'ai mis une cagoule parce que je ne savais pas à quel moment certaines personnes allaient venir voir le crop circle. Donc, au départ, par prudence, vous avez préféré qu'on vous prudence, à l'image qu'on ne voit pas pour éviter d'entacher la démarche qui était la nôtre. Voilà, c'est ça. Je voulais que vous n'ayez pas de soucis par rapport à ça, du fait que nous sommes la cible d'ufologues, oui, mais on est la cible sont de plein de gens. Des ufologues on a tenant pas, croyants. On n'a pas peur, on a plein de gens qui ne nous aiment pas. On assume hein, maintenant. Donc c'était important pour nous d'accord. De ne pas vous mettre en porte-à-faux. Quoi. Patrice, tu veux développer ou prolonger ou rajouter sur pourquoi vous êtes intervenu Développer non, mais développer oui, mais bon... peut-être un peu complété en disant ouais. Que ben oui bon on a mis les cagoules parce que ben elle a donné les raisons et puis comme il n'y a pas eu de retombées au niveau du GEPAN, il n'y a pas eu quelqu'un qui a dit moi j'ai vu un objet au-dessus du crop circle et tout, mm-hmm. On pouvait pas être missionné, on s'est dit là on peut maintenant y aller. C'est vrai. Voilà. Donc oui, on voulait pas entacher l'expérience parce que c'était important, c'était quelque chose d'assez important. Et puis ben ce qui a renversé aussi un quelque peu la vapeur sur le fait qu'on a accepté de venir dans ton expérience, Arnaud, c'est qu'on s'est dit, ben voilà, nous, on a testé sur plusieurs crop circles de la région le rapport VK. À chaque fois, ben, Gilles Munch tombait juste hein, avec son rapport. Et on s'est dit, mais ça serait bien, finalement, de le vivre. Hein, de le vivre et de se dire, ben, comment c'est fait, voir si voir dans l'esprit, c'est dans les choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Voilà. Et puis, pas ça, voir si dans l'esprit, ce qu'on avait imaginé, ça s'appliquait exactement sur le terrain. Et je veux dire, sans griller des étapes, que j'ai été extrêmement surpris de la facilité et de la rapidité de faire ça. Ben, tout ça. Et ouais. je ne pensais pas que même celui de S, par exemple, qui est très simple, maintenant je peux le dire, qui est très simple, on aurait pu le faire en une heure. Oui, plus court. Aujourd'hui, je reste persuadé que quelqu'un d'entraîné, avec deux, trois, allez, quatre personnes, en une heure de temps, il tombe, sans problème. Ah, et ça, c'est extraordinaire, ça. Ouais, moi je voulais juste dire un truc rapport au rapport VK justement. Il y a pas mal de gens qui nous ont dit mais est-ce que vous pourriez pas maintenant essayer de faire un crop circle pour blouser Gilles Munch? Mais on pourrait. Hein? On pourrait. Ouais, non mais le truc c'était alors vous faites pas le sentier caché, vous faites pas les recouvrements et tout. Moi je veux bien, mais alors faut m'expliquer la méthode. Hein. Parce que rentrer dans un champ sans laisser aucune trace, alors à la limite tout seul en prenant une demi-heure, en marchant vraiment entre les épis et tout, ça pourrait le faire, mais un groupe d'une demi-douzaine de personnes, je vois juste pas comment c'est faisable, et puis éviter les recouvrements et tout, je suis désolé, mais techniquement je vois pas comment on pourrait le faire. On a besoin de vos dons pour louer un hélicoptère pour le prochain, voilà, c'est un message en fait, hein, bien comprendre. Oui, alors il y a des gens qui ont suggéré de le faire avec un drone, alors je n'ai pas compris comment, un hélicoptère, ou alors faudrait louer une grue pour que la grue nous dépose dans le... Mais alors je ne vous raconte pas la discrétion. Non mais, tu as un drone, oui. Ça peut faire, on peut trouver des méthodes, rien qu'avec un drone et une corde, faire des choses pour éviter de laisser les traces. Va falloir en acheter des batteries. Hein. On va faire ça. Juste, Francine... Rapport VK, ça veut dire quoi, les lettres VK, et c'est quoi comme rapport? Pour juste en 30 secondes. Alors, Gilles Munch est dans la salle, il peut peut-être en parler mieux que moi, mais il sera interrogé tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure avec lui, mais juste d'accord, c'est voyage d'études des cercles anglais. Voyage en fait, d'études des cercles anglais, ouais, VK. VK. C'est un rapport qu'il a rédigé il y a combien de temps? C'était en 1990. En 90? 94, pardon. 94, donc mais c'est sur des expériences antérieures. Voilà. Hein, sur Internet, vous tapez rapport VK et le texte est disponible gratuitement. Tout à fait. Et vous pouvez aussi l'acheter, non? On peut aussi l'acheter parce qu'en fait, on l'avait fait à une époque où les téléphones mobiles n'étaient pas aussi performants que ceux qui sont maintenant. Ça existait? Si. Il y a eu le Minitel aussi, mais je t'en parlerai plus tard. Et donc, on a eu ce rapport VK, on l'a édité aussi sous forme de fascicule pour que les gens puissent l'emporter s'ils voulaient réellement étudier un crop circle pour savoir quoi faire. D'accord. Sur place. Voilà. Alors maintenant, je me tourne vers les esprits, vers les forces de l'esprit. Est-ce que Eldvekator est toujours parmi nous? Est-ce que tu nous entends, cher Defac? Oui, bien sûr. Alors, donc, bah, merci d'être là. Est-ce que tu veux réagir à ce qui a été dit, éventuellement, ou poser des questions, ou d'abord nous dire toi pourquoi est-ce que tu as accepté de participer? Tu t'emmerdes déjà? J'ai accepté parce que je trouvais l'expérience assez fun.
Moi, je préparais une vidéo sur justement le travail du GEPAN. Et je trouvais intéressant que, justement, les crop circles, qui sont une manifestation extraterrestre, a priori, d'après ce qu'on voit sur le web, hein, voilà, je trouvais intéressant de participer à une expérience qui tente de reproduire un crop circle, puis qui confronte aussi les spécialistes autoproclamés du crop circle à la réalité de leurs mesures. Ok, donc c'était vraiment... Est-ce que vraiment tu t'emmerdes? Est-ce que tu peux mettre un peu d'énergie dans ta voix? Est-ce que tu es heureux d'être avec nous? Mais je suis heureux, bien sûr. Bon, ben voilà, mais il faut qu'on le sache. On est inquiet pour toi. Tu n'es pas là. On te voit pas. Et donc. Eh ouais, mais parce que forcément, j'ai un boulot dans la vraie vie qui m'empêche d'être parmi vous, et c'est bien dommage. Et donc, je suis triste en même temps. Voilà. Parce que la NASA ne te paie pas assez? Non, c'est la TGSE maintenant. C'est la TGSE, excuse-moi, mais. Tous ces acronymes, on s'y perd. Hein. As-tu une question éventuellement pour les collègues ici? Non, est-ce que les collègues ici ont une question pour les défécateurs? Je suis étonné par la barbe d'AstronoGeek, mais ça n'a pas très, comment très important. À la barbe? Ah oui, mais elle perturbe tout le monde, ma barbe, en ce moment. Mais c'est promis, je vais la couper, un de ces quatre. Il faut faire ça. Elle énerve ma meuf, elle dit que ça gratte trop. Alors... C'est perturbant. Donc, avant de continuer, moi, j'ai eu un courrier de Pierre, j'ai oublié son nom, Damarski, qui nous dit que voilà, il aime beaucoup ce qu'on fait nous, les sceptiques en général, qu'il voulait nous participer, mais qu'il n'a pas beaucoup de thunes pour donner de l'argent dans Tipeee. Donnez votre argent sur Tipeee, chez eux, mais surtout chez nous. Et donc, il a fait maison des stylos où dessus, il a gravé le crop circle. Est-ce que tu le vois? Alors, ça doit au moins être des stylos qui se rechargent tout seuls, non? C'est... Comme ça. Oui, les énergies se rechargent toutes seules. Et donc, du coup, j'en ai un pour toi. J'en ai un pour Patrice et Francine. J'en ai un pour Arnaud. Et puis, il m'en reste deux. C'est pour Christophe. T'as dit qu'il s'appelle comment Et pour Défécateur, c'est Pierre. Ah, merci Pierre, ils sont cool tes stylos. Merci. Et j'en ai un pour la tranche en biais que j'ai gardé. Et donc, les autres, un jour, quand on finira par se croiser, mon cher Défécateur, tu auras droit à un stylo. Est-ce que tu es heureux? Wow. Oh, c'est chouette. tu n'es pas heureux? La communication n'est plus avec un stylo, par contre. Hein. Ça, c'est un peu dommage, mais... J'ai pas compris. Je crois qu'il voulait le stylo. Tu voulais. Bah, mais tends la main, tends le bras plus loin. Viens. Zoom, bon. Zoom. Allez, bon. On essaiera de se croiser à l'occasion quand on ira en Angleterre faire des crop circles. Donc, Vlad m'a fait remonter une question. Donc, je me tourne vers les gens qui pourraient éventuellement savoir. En gros, la personne, sur un ton relativement arrogant et méprisant, a dit: ouais, vous êtes des gros malins, mais il y a certains crop circles. Il y a certains. Ah, et puis. Ah, la même personne a eu des remarques homophobes. Du coup, bah, on t'emmerde. Va faire l'amour à ta maman. Non, pas la maman. Pas la maman. Pourquoi pas la maman? On respecte la maman. C'est pas homophobe. Elle l'a un peu mal élevée, mais peut-être qu'elle a des circonstances. On ignore, on ne sait pas. C'est pas homophobe de faire l'amour à sa maman. C'est incestueux, mais. Laisse les mamans tranquilles. Donc, ce monsieur nous dit qu'il y aurait de la radioactivité qui a été dégagée sur certains crop circles. Est-ce que vous avez des infos? Moi, je n'ai pas d'infos là-dessus. Alors, moi, j'ai juste une question. Où sont les preuves? Non, mais du coup, est-ce que quelqu'un en a entendu parler de cette idée qu'il y aurait de la radioactivité? Oui, alors, c'est un truc que j'ai entendu régulièrement. Il y aurait de la radioactivité, etc. Mais bon, quand je demande à voir les études, il y a eu de la radioactivité. Si c'est mesuré au pendule, en effet, ce n'est pas très convaincant. On a vu ce que ça donne. Ce n'est pas terrible. Francine. On a aussi beaucoup entendu parler de radioactivité sur des traces d'atterrissage, de pseudo-atterrissage de phénomènes OVNI. Oui. Je pense que c'est lié, en fait, puisque pour beaucoup d'ufologues, les crop circles étaient d'origine extraterrestre. Donc je pense que peut-être les deux sont liés. Donc ce qu'il nous faudrait, c'est que vous nous envoyiez les références du lieu où ça a été fait, de qui a fait les mesures, où ça a été publié. Parce qu'en effet, si on a repéré ça, il faut trouver comment l'expliquer. Mais nous, ici, on n'a pas d'infos, plus que ça. Juste pour dire, j'ai effectivement lu à un moment donné, parce que j'ai beaucoup lu sur les crop circles, et j'ai vu passer des graphismes qui parlaient de radioactivité et autres.
Alors, je les conteste pas, ces graphismes, ils existent, ils sont là. Moi, je suis pas spécialiste, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ils me paraissent pas extrêmement probants. La seule question que je pose, c'est que qui les a fait, comment il les a relevés, et est-ce que l'appareil a été étalonné? Ça, on ne sait pas. Parce que j'ai eu un compteur GGR, moi, je trouvais de la radioactivité de partout. Jusqu'à un moment donné où on m'a dit, mais si tu ne l'étalonnes pas, ton truc, tu peux... Bien sûr, voilà. Chaque appareil... Voilà. C'est un minimum, c'est un minimum. Ouais. Donc, voilà. Oui, rebondis. Oui, alors, on a aussi pas mal parlé de résistivité de la Terre dans les crop circles. Alors, comme quoi la résistivité serait différente dans le crop circle qu'à l'extérieur du crop circle. Donc ça, je ne le nie pas, mais ce que ça prouve, c'est que la résistivité à l'intérieur d'un crop circle est différente. Et peut-être parce que le sol est un peu plus tassé mais quand on limite, marche dessus. À la limite, j'en sais rien, je n'ai pas l'explication, mais tout ce que ça prouve, c'est que la résistivité est différente dans un crop circle. Et le mais ça blé, permet pas de tirer de conclusion, en fait. La farine, enfin les épis qui sont à l'intérieur donneraient plus de blé que les autres. Ah, alors, ce petite qui est histoire. Étonnant parce que comme ils sont écrasés, je sais pas comment on les récolte. Mais ouais, alors petite histoire à ce propos, Jean-Claude, donc l'agriculteur. Ah oui. Donc si vous avez regardé les vidéos, vous avez vu qu'à la toute fin, j'ai filmé la moisson au drone. Il m'a expliqué, il est arrivé mort de rire en disant qu'il y a un mec qui lui a téléphoné en lui disant de bien récolter le crop circle à part et de lui laisser le sac parce qu'il voulait l'acheter spécialement celui-là. Mm-hmm. Voilà. Parce que j'ai entendu des gens qui disent qu'il y a eu des expériences quand on aurait prélevé des graines dans le crop circle. Ils auraient fait des expériences et ces graines-là donnent plus de blé que les autres. Ouais. Alors, et je ne l'ai vu publié nulle part. Oui, les gens disent que ça a été fait, mais si vous ne publiez pas, les gens, en fait, c'est comme on dit, une photo, ça n'existe pas, quoi. Si vous ne publiez pas, on ne peut pas vous faire confiance, vu surtout qu'on a prouvé que votre méthode n'était pas fiable. Donc, si on n'a pas les preuves, on ne vous croit plus. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ces études, on me les a sorties aussi. J'ai toujours vu la même photo avec des blés plus courts en dessous, des blés plus hauts au-dessus. Ok, bah, on ne sait blé, pas où ils ont été prélevés, on ne sait rien. Grand, moi, c'est pour ça qu'il y a plus de rendement. La hauteur du blé ne dit rien sur le rendement. Ouais. Et alors d'ailleurs, il y a un truc qui m'ennuie un petit peu avec le crop circle qu'on a fait cette année, c'est que j'aurais dû prévenir Jean-Claude, j'y ai pas pensé, c'est qu'une fois qu'il a moissonné, il a retourné le champ et il a mis du lisier dedans pour enrichir de nouveau la terre. Et s'il ne l'avait pas fait, j'aurais été curieux de voir s'il y avait un fantôme du crop l'an circle. Prochain. Le fantôme, c'est quand voilà. L'année d'après, on a encore une trace géométrique. C'est ça. Et j'aurais été curieux de voir, parce que je sais qu'il y a des champs dans la région qui n'ont pas été labourés où il y avait un fantôme l'année d'après. Là, du coup, je ne sais pas si ça va apparaître. Et puis, c'est vrai qu'on nous a sorti ces histoires de rendement supérieur et tout après. J'aurais peut-être dû faire des prélèvements aussi dans ce crop circle. On aura toujours le temps de le faire dans un autre crop circle. Dans le chat, quelqu'un qui est expert dans ce métier, qui fait des prises de terre tout le temps, dit que ça varie d'un mètre, parfois sur deux mètres, la mesure est différente, parce que c'est très variable. Donc, si on ne fait pas toute une série de mesures dedans, au moins une trentaine, et dehors, au moins une trentaine, on n'aura pas de statistiques pour comparer. Alors, juste une chose, il y a un monsieur qui est présent dans cette salle ce soir, hein, qui a raconté dans un forum qui s'appelle Ufologie et Paranormal, qu'il avait fait une expérience, donc, qu'il avait récupéré du blé d'un crop circle, et que lui, étant agriculteur, ayant beaucoup d'expérience, avait constaté donc, que le blé du crop circle avait donné un rendement bien supérieur donc à son. Bah, du coup, on aura de première main l'info. Voilà. On a la première main. Nous diriger vers les sources. C'est ça. Ouais. Mais on n'a pas réussi. Il n'a pas pu nous donner le protocole. Et quant au blé restant du crop circle, les souris avaient mangé le reste. Alors, on n'a pas pu faire tester. Dommage. Nous avons de malchance. Alors, on va passer maintenant. Là, on a 4 petites minutes. La vidéo. Du dernier complice de l'aventure qui est Christophe Michel, qui n'est pas là avec nous parce que la vie fait que, mais il est sur le chat, donc je pense qu'il vous a déjà salué, donc vous pourrez réagir à ce qu'il vous dit dans le chat, il pourra vous répondre dans le chat si vous avez des questions à lui, mais il ne pourra pas répondre en direct. Alors moi je vais demander à Christophe et uniquement Christophe de flouder le chat, mais uniquement Christophe. Alors ceux qui ne s'appellent pas Christophe Michel et qui n'ont pas une chaîne qui s'appelle Hygiène Mentale, vous ne floudez plus le chat. Et je me tourne vers la régie pour le lancement de la vidéo de Christophe Michel. Bonjour les amis, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir me libérer, mais Nancy c'est vraiment beaucoup trop loin de chez moi, je ne peux pas me libérer. Vous m'avez demandé qu'est-ce qui m'a motivé à participer à cette expérience. Voici quelques points. De 1, savoir si c'est difficile à faire par des humains. On raconte souvent que c'est trop complexe, trop difficile, trop grand...
qu'il faudrait être trop nombreux, que c'est impossible à faire par des humains. Que répondre face à ce genre d'argument? On pourrait dire « Ouais, ben moi je pense que c'est possible. » Et on nous répondrait « Ouais, ben moi je pense que c'est pas possible. » C'est opinion contre opinion. Au bout d'un moment, il faut bien essayer pour savoir. Et conclusion, c'est très facile à faire. Moins de 2 heures à 7 personnes. Si j'avais su, je pense qu'on serait parti sur un motif beaucoup plus complexe et beaucoup plus grand. De 2, faire une expérience en aveugle pour tester la fiabilité des méthodes détonnant l'hypothèse extraterrestre. Faut se rendre à l'évidence, la méthode avec les pendules et les bovis, ça ne marche pas. Il conclut systématiquement à une origine non humaine, même quand c'est le cas. Mais attention, notre création ne permet pas de tester la méthode des sceptiques. Peut-être que Gilles Munch, avec son rapport VK, conclurait systématiquement que c'est une création humaine, même quand ce n'est pas le cas. Pour pouvoir tester la méthode sceptique, il faudrait un crop circle d'origine non humaine, mais j'ai pas les contacts. J'ai un regret, c'est que le rapport de Gilles Munch, qu'il a publié dans la presse, n'était pas vraiment en aveugle, puisqu'il a eu l'occasion de discuter un petit peu avec Arnaud après les enregistrements. De 3, étudier la couverture médiatique. Et c'est pas jojo. Il n'y a eu aucune enquête, et il n'y a pas de point de vue sceptique. Il joue à fond sur l'effet moite-moite, mais PA a très bien traité le sujet dans sa vidéo. De 4, le fun. La zététique, c'est fun. La zététique pratiquée en association, IRL, c'est fun. C'est dommage que ça se voit pas toujours sur Internet ou sur YouTube. La démarche scientifique, telle qu'appliquée en laboratoire, c'est sérieux, austère, académique. La zététique, c'est la même chose, en version plus marrante. Faire des crop circles, visiter des châteaux hantés, manipuler des baguettes de sourciers, faire des protocoles avec des voyants, des médiums, des chamans. Ce sont des gens différents, mais étonnants, fascinants, et souvent sympathiques et enthousiastes. Moi, j'apprends beaucoup à leur contact. Du coup, voilà. 5. L'ouverture d'esprit. Moi, je ne défends pas que la pensée critique sur ma chaîne. Se contenter de critiquer pour la forme, c'est passer à côté du truc. Je défends aussi l'ouverture d'esprit. Ça consiste à s'intéresser sincèrement aux phénomènes paranormaux. Même quand on est sceptique, on peut trouver ça sincèrement intéressant. Moi, j'ai envie de comprendre la théorie sous-jacente au pendule, à l'étalonnage des unités bovis, et aussi comprendre pourquoi les gens adhèrent à ça. En conclusion, il y a quand même un truc sur lequel je suis assez fier. Je pense qu'on a été assez respectueux d'étonnant, en se focalisant surtout sur la méthode. La vidéo de la tronche en biais était un peu plus incisive, bien sûr, mais je trouve que l'humour était assez bien dosé et jamais dirigé vers l'étonnant. Juste une remarque, l'épilogue de AstronoGeek était un peu plus clash et irrespectueuse. Hypocrite, le prochain, je lui mets un coup de boule. Si j'avais été seul avec eux, je leur en aurais décollé une. Ils ont foiré comme des grosses merdes, les bouffons de Muffon. Je comprends que ça a été difficile de te retenir, Arnaud, et je suis désolé d'avoir été insistant pendant l'élaboration du projet pour qu'on reste pédagogique. J'aurais tellement voulu être avec vous ce soir, mais je vais suivre le live attentivement et je serai dans le chat.
Encore ? Non, non. Arnaud, on va te prendre le micro. On prend le micro d'Arnaud. Bien. Donc, nous sommes le 10 octobre. Ça veut dire quoi, Vlad Tapas ? Le 10 octobre, nous sommes le 10-10. Et du coup, bah, c'est la journée des 10. C'est-à-dire... Bah, c'est... Non. Les 10, donc, c'est mon valise qui réunit personnes atteintes de dyslexie, de tous ces troubles-là. Voilà, c'est donc aujourd'hui, c'est leur journée. Alors, courage. Et j'en profite pour dire que l'un des membres de la STEC a créé un plugin pour Chrome et Firefox pour venir en aide justement aux personnes 10 qui s'appelle IDODIS Free. A-I-D-O-D-Y-S Free, F-R-E-E. Et ça fait aide aux 10, comme si vous voulez aider les 10, aide aux 10, t'as vu ? C'est fou. Donc, comme ça, vous le savez. Et puis, voilà. Et puis, vous êtes maintenant ceux qui ne connaissaient pas l'existence de cette journée, c'est le cas. Et on apprend des choses, c'est beau. Et donc, on applaudit Paul qui bénévolement a fait ça. Il a passé des heures à faire son plugin. Bravo, Paul. Et donc, ceux d'entre vous qui ont vu la vidéo de la tronche en biais sur le crop circle ont peut-être vu à un moment donné, mais tu auras à la voir. Hein. À un moment donné, je parle de ton bouquin, j'arrêtais pas du. À un moment donné, je donne une explication sur la présence des petites tiges plus courtes qui ne sont pas coudées. Et mon explication, elle n'est pas bonne. Donc je fais un erratum, donc il faudra venir se taper le live pendant une heure avant d'avoir l'erratum. Mon explication, je me suis fié à une source que je ne nommerai pas, qui m'a donné l'info qui n'était pas totalement juste, et que j'ai pris et je n'ai pas vérifié que j'avais confiance. Vous voyez. Donc, la vraie explication, c'est que les tramlines, ce sont les lignes où on a les tracteurs roulent, la terre est beaucoup plus tassée. Et donc on a des tiges qui vont quand même pousser sur le bord des tramlines, mais moins vite que les autres, parce que le sol est tassé, elles sont stressées, donc elles sont plus courtes, et comme elles sont plus stressées, elles sont un peu plus robustes. Donc quand on va courber les grandes, elles qui sont plus courtes, elles vont être moins courbées, et vont avoir tendance à rebiquer plus vite. Et donc au bout d'un jour ou deux, elles sont dressées, elles sont plus vigoureuses, et donc... Quand on a deux semaines plus tard que tout le monde est venu piquer partout parce que et chanter Hosanna partout, et ben là c'est resté debout. Et du coup ces tiges là, c'est pas que il y a eu des ondes scalaires qui ont raté les tiges, c'est que les planches les ont courbées, mais celles-là étaient plus robustes de base et elles étaient plus gourdes, donc elles se sont redressées. Donc l'explication que je donnais moi n'était pas la bonne explication. Donc c'est comme ça qu'on fait pour se corriger, mesdames et messieurs. Quand on fait une erreur en vidéo, eh ben, on explique la vraie source. Donc j'invite les gens, par exemple comme monsieur Molinaro, sans le citer, à peut-être faire une vidéo pour dire pourquoi il s'est trompé. Parce qu'on peut se tromper, c'est pas grave l'erreur. Si je peux ajouter juste un petit truc au propos des tramlines, oui. Justement, il faut savoir que ce jour-là, hein, quand on a fait le crop, elles étaient très profondes. Oui, on avait été tombé plusieurs fois. Et c'était pas évident avec la planche d'aller bien courber comme ça. Hein. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a aussi un simple effet mécanique du fait que quand tu passes dans le trou du tracteur, c'est pas forcément. Oui. De toute façon, je crois qu'on le voit dans ma vidéo. À un moment, j'avais insisté pour qu'Adrien le filme. Ma vidéo tout de suite, voilà, c'est quoi ça ? C'est ça. J'avais insisté pour qu'Adrien le filme. Quand on passait dans les sillons de tracteur, la une, quand on crée le crop circle, je lui avais demandé de bien filmer l'endroit où tu venais de passer. Oui. Et on voit que déjà là, de base, quand il est passé, ça fait une bosse au niveau c'est de pas la régulier, du sillon de tracteur. Ouais. C'est, voilà. Mais donc c'était important parce qu'en effet, j'ai trois personnes dans les commentaires qui m'ont fait remarquer qu'eux avaient mis l'application et ils avaient raison. Et sur les trois, deux étaient agriculteurs. Donc c'est bien, ils sont attentifs et je on les applaudit remercie. Thomas, c'est courageux. Donc, avant de passer la parole une dernière fois à Defecator pour s'il veut me réagir, toi tu es quand même spécialiste des médias. Et donc, Non, t'es pas spécialiste, mais tu t'es intéressé à cette thématique-là dans ta chaîne, dans ton format. Donc, on a expliqué un peu la démarche au départ. On va revenir un peu avec vous sur les leçons qu'on en a tirées. Mais en particulier, du coup, les médias en ont parlé. Donc, oui. Bon, les gens iront voir ta vidéo, mais est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas dit dans ta vidéo qui peut-être se serait passé depuis ou qui était
autour ou un truc qui est vraiment hyper important que tu veux répéter? Il s'est passé un truc depuis, et c'est un truc de ouf. J'ai eu la journaliste que tu avais contactée, Arnaud, au téléphone, parce que naturellement, elle n'était pas très contente du sort que j'avais réservé. Donc, au seul journal qui était au courant par nos soins, c'est-à-dire le Républicain Lorrain, et ils n'étaient pas très contents que, en tant que journal, on va dire, un peu complice, je les ai un petit peu assaisonnés dans ma vidéo et Christophe sur sa chaîne aussi. Ils ont dit quoi? Bah, que c'était pas super classe, que c'était... Ils t'ont écrit? Non, j'ai eu au téléphone la dame. Ah, au téléphone. Parce que Arnaud donc, est en contact avec ces gens. Ils ont dit, tiens, il faut que tu les aies au téléphone parce qu'ils ont des choses à te dire, tout ça. Ah. Donc, on s'est appelé. En fait, c'était très cordial parce qu'elle est super sympa. J'en doutais pas. Et l'idée, c'était de dire que comme ils étaient complices, ça aurait été cool de les ménager un petit peu parce que, bon, voilà, ils étaient dans le truc. Ils n'ont rien révélé. Ils ont fait comme s'ils ne savaient pas. Et du coup, ils ont fait ce qu'ils auraient fait d'habitude s'ils n'avaient pas été au courant. Ce qui est bien le problème. Ce qui est bien le problème. Donc, moi, je leur avais dit que l'idée, ça aurait été cool, mais peut-être qu'on aurait pu mettre nous-mêmes la main à la patte et leur dire voilà, on a une bonne idée, on peut derrière essayer de vous aiguiller pour faire des articles. On l'a pas fait. Oui, on aurait pu faire ça. Sur le coup, ça nous a pas venu, voilà, ça nous a pas arrivé à l'esprit. Moi, je pensais pas personnellement que le journal Au Courant ferait des choses comme ça, c'est-à-dire faire à peu près une quinzaine d'articles sur l'été avec deux articles de qualité mais payants que quasiment personne n'a vu et plusieurs dizaines de milliers de vues sur le format putaclic. Et ça, par contre, c'était pas top. Et sa défense à la dame, c'était de dire bah oui, mais comme on ne voulait rien révéler, on a fait comme si on ne savait rien. Mais il y avait un millier de façons de faire comme s'ils ne savaient rien, en disant donc ni nos noms, ni que c'était nous, ni qu'ils savaient, ni que rien, mais en disant, ben voilà, vous pouvez éventuellement consulter telle source, il existe des vidéos montrant des gens qui en font, il y a par exemple ça en France, ça en Italie, ça en voilà. Éventuellement, pensez bien à des petits trucs que nous, on aurait pu leur indiquer, le rasoir d'Occam, par exemple, à essayer de privilégier les hypothèses les plus simples avant de penser à des trucs qui viennent de n'importe où. Et ça, ça n'a pas été fait du tout. Du tout. Donc, c'est justement la morale, c'est que même sans savoir, on avait assez d'éléments pour ne pas croire trop vite. Et les journaux n'ont pas joué ce rôle-là. Leur rôle devrait être de... Parce que j'ai entendu quelque part que leur rôle, selon eux, c'était de donner la parole aux gens et de se faire le relais de la parole des gens. Moi, il me semblait que quand je regardais un journal, ce n'était pas pour savoir ce que pense ma voisine, mais pour avoir une vraie information derrière. La différence, donc, c'est que comme c'est du local, il y a beaucoup d'interviews de gens du coin. Oui, parce que, et c'est ce que disait Christophe, j'aime bien ce qu'il a utilisé dans sa vidéo d'hygiène mentale, en disant que c'est un annuaire des superstitions locales. Bah, c'est ça. C'est-à-dire, on interview des gens, et puis bah, comme ils ne savent pas, parce qu'évidemment qu'ils ne savent pas, c'est un projet secret, on était une demi-douzaine, et voilà. Donc oui, ils ne savent pas. Donc c'est bien des fois de récupérer des informations qu'on croit être bonne, mais de les contextualiser en disant, bah voilà, le voisin il a vu ça, mais attention, il n'était pas dessus, ou voilà. Ben là, il n'y avait rien, c'était un ensemble d'interviews et les gens ne savent pas, c'est dommage. Donc toi, tu t'es intéressé à l'aspect journalistique, je me tourne vers Defecator s'il m'entend, parce qu'il y a une question dans le chat sur le manière, donc, comment on a réparti les sujets de vidéo les uns par rapport aux autres. Alors, en fait, on ne s'est rien réparti du tout, on savait bien qu'on aurait des angles différents spontanément, chacun est allé dans notre chat de discussion, dire moi je vais parler de ça. Et en fait, il s'est avéré que quand on a eu fait le bilan, bah, chacun avait un sujet différent. Et donc, Defecator, toi, comment tu as choisi? Est-ce que tu as eu, comme tu as orienté un truc assez particulier, ta vidéo est quand même assez particulière par rapport aux autres, si tu es là? Oui, tout à fait. Je voulais vous tenir au courant de ce qui se passe dans le chat. On parle beaucoup de barbe parce que c'est vrai qu'apparemment personne n'est bien rasé ce soir. Voilà. Patrice, c'est pas mal. Alors, et tout le monde est assez inquiet. Guillaume parce est bien rasé. Effectivement, on s'inquiète des germes dans la barbe d'Arnaud. Quoi. Et c'est tout? Tu veux nous parler que de ça? Voilà. Mais tu es très utile. Tu es merveilleux. Alors moi, du coup, je vais continuer très légèrement. Sur le sujet de la vidéo, c'est vrai que moi, j'ai pris un angle un peu particulier puisque moi, j'aime bien parler des faits et en particulier des charlatans. Voilà. Et là, j'avais l'intention de parler du travail du GEPAN et de l'espace. Et il m'a semblé intéressant de relier ça en même temps à l'histoire de Raël. Parce qu'en matière de fake, il me semblait qu'il était assez intéressant aussi, en matière de fake sur les extraterrestres. Et naturellement, les charlatans des crop circles prenaient leur place dans la vidéo. Donc, ça me semblait intéressant d'en parler à la fin, mais c'est vrai que j'ai pas fait le crop circle n'était pas le centre de la vidéo. Il faisait partie des différentes illustrations pour moi.
Quand tu utilises le mot charlatan, on va te le reprocher. Qu'est-ce que tu entends par là? J'entends les personnes qui débarquent dans un crop circle en prétendant savoir affirmer s'il s'agit d'un vrai ou d'un faux. Alors, quand on dit vrai ou faux, on parle d'une origine extraterrestre ou en tout cas non humaine, et qui au final font la preuve de l'inefficacité de leur méthode, puisque il se révèle dans l'expérience qu'il s'agit d'un faux et qui nous disent qu'il s'agit d'un vrai. Donc voilà, pour donc, moi c'est charlatanisme. Je traduis, ton mot ne veut pas dire que tu insinues qu'ils font exprès d'escroquer les gens. Ou si, peut-être. Non, je n'insinue rien. Je constate simplement, je constate ce qu'on a tous constaté. Après, le fait que des personnes puissent tirer commerce de leur prétendue connaissance du phénomène, ça c'est encore autre chose. Ok. Alors du coup, je vous pose à tous et à toi en premier la question que Christophe m'a demandé de vous poser, et après on ouvrira la discussion au public. Est-ce qu'il y a un truc paranormal, surnaturel, ce que tu veux, dans lequel tu as cru dans le passé, et dans lequel tu ne crois plus maintenant, ou auquel tu crois encore éventuellement? Voilà. Est-ce que Défécateur a cru des choses? Là, je vais être décevant. Non, j'ai été très tôt très sceptique. En fait, j'ai essayé de réfléchir à d'où ça me venait et je me souviens, je crois que je l'ai raconté déjà dans une vidéo, qu'on m'avait emmené dans une fête foraine tout petit et on m'avait emmené voir la femme araignée, qui était donc une tête de femme avec 8 grosses pattes velues. Et en sortant un peu plus loin dans la fête foraine, en fait, j'avais revu la femme araignée, mais elle était en survêtement, elle était sur 2 jambes et elle s'en allait. Et j'ai tout de suite compris à ce moment-là qu'on nous racontait des fables. Et tu avais 2 ans et demi. Je crois que depuis ce jour-là, je doute beaucoup, en fait. D'accord. C'est tout. Bon. PA, tu as le micro. Est-ce que tu as cru quelque chose que tu ne crois plus? Alors oui, mais ce n'est pas du paranormal. Parce que le paranormal, en fait, ça ne m'intéresse pas. Enfin, pardon. C'est-à-dire que les trucs super ésotériques, ça, j'ai jamais eu trop d'appétence pour ça. Non. Après, j'ai eu des croyances, les croyances un peu bateaux qu'on a quand on se pose pas trop les questions, quoi. Petit, je prenais un peu d'homéopathie. Les OGM, à un moment, j'étais un peu contre avant de me poser des questions. Enfin, les trucs un peu bidons, quoi. Mais pas particulièrement. T'es antifasciste, c'est une croyance. Oui, c'est pas mal. Mais ça, je la garde quand même. J'y tiens. Mais sinon, c'est non. Non, paranormal, surnaturel, Dieu, tout ça. Non, j'ai pas eu le background. De quoi? Non. La théorie du ruissellement, propose Vlad. Non, c'est jamais allé une aussi croyance loin. Très répandue. Non, j'ai malheureusement pas le terreau familial pour ça, en fait. J'ai pas été bercé d'illusions. D'ailleurs, je remercie bien. Et les gens qui se versent d'illusions sont près du mur, souvent. Ça est arrivé, mais c'était pas. Alors du coup, je sais plus ou moins un peu la réponse, parce que vous êtes maintenant ufologue, ufo-sceptique, mais tous les deux, au départ, vous aviez envie d'y croire. Donc au-delà des ovnis et des extraterrestres, est-ce qu'il y avait autre chose? Mais je crois toujours aux ovnis. Ah. Bien sûr. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je crois toujours aux ovnis. Il y a des gens qui disent voir quelque chose, il n'y a aucune raison de ne pas les croire. Après, il faut savoir si on peut identifier ou pas, mais je crois toujours aux ovnis. Ce que je ne pense pas, parce que je peux même pas parler de croyance à ce niveau-là, c'est que c'est de relier le phénomène à des extraterrestres. Mm-hmm. Ça, on n'a aucune preuve, on n'a rien du tout. Mais voilà. Autrefois, mais les ovnis, tu oui, j'y crois. T'avais plutôt tendance à croire à ce lien. Même pas. J'avais tendance à privilégier cette hypothèse tout en émettant des doutes. Oui. Mais je la plaçais en premier. Aujourd'hui, l'hypothèse extraterrestre, elle est bien derrière. D'accord. Avant, il faut arriver à savoir ce que les gens ont vu. Si on peut expliquer, si on ne peut pas expliquer, ben on n'explique pas et puis c'est tout. D'accord. Mais même si on n'explique pas le phénomène, ça ne veut pas dire que c'est extraterrestre de toute manière. Ouais. Et les sorcières, non? Non, pas du tout. Non, ma mère était gentille. Les léprechaunes, non? Bon, Francine. Les léprechaunes, j'en connais. Parce que je suis des Vosges, on est de la petite race. Mais autrement, non, personnellement, non. J'ai pas compris la blague, mais d'accord. Ah, parce que les Vosgiens sont réputés pour être une race de petits. Une race de petits. Voilà, donc nous sommes des léprechaux, mais entre nous, on s'appelle entre les léprechaux. Ah, d'accord. Voilà. Bon, très bien. Donc, la preuve. Pas de croyance particulière que tu aurais abandonnée.
Non. Alors, quand Patrice dit OVNI, attention, on s'entend bien sur le fait que c'est objet volant non identifié et ou pas phénomène vaisseau aérospatial non identifié et pas des soucoupes volantes, quoi. Pas des vaisseaux, oui, des vaisseaux spatiaux. Donc, ce sont des objets volants. Allez voir l'exoconférence pour avoir une idée d'où vient le mot soucoupe volante. Oui, avec quelques réserves quand même dans l'exoconférence. Quelques réserves, mais ça, c'était pas mal expliqué, non? Non, pas complet. Ouais. Alexandre, mais si tu nous écoutes, c'est pas complet quand même. Hein. Je conseille ce spectacle. Il dit c'est pas complet. Je conseille quand même le spectacle, oui, qui était à mourir de rire, puisque je l'ai vu d'ailleurs ici à Nancy, et qui était excellent et qui permettait aussi d'avoir de bonnes réflexions. Arne Geek, Trono, tu sais. Est-ce que tu as cru des trucs? Alors, oui, j'ai dû croire aussi aux fantômes, aux sorcières, tout ça, mais je pense que ça correspond à peu près à la période aussi où je croyais au Père Noël. D'où la barbe. Non, mais pour dire que c'est assez lointain. Par contre, je vais surenchérir par rapport à ce qu'ils ont dit. Je crois fermement en l'existence d'une vie extraterrestre. Alors, pour ceux qui s'ennuient, qui regardent la vidéo ou qui sont au fond et qui jouent à la belote là-bas, vous cherchez sur Wikipédia équation de Drake ou paradoxe de Fermi. Et une fois que vous aurez lu les deux pages Wikipédia là, vous comprendrez que je suis intimement convaincu que les extraterrestres existent. J'aurais même tendance à dire qu'il y a probablement des formes de vie quelque part ailleurs dans le système solaire. Par contre, j'attends toujours la preuve qu'ils viennent nous visiter. C'est-à-dire que je suis le premier à espérer que ce soit le cas. J'espère vraiment qu'ils viennent, etc. Parce que ça serait génial. En vrai, les extraterrestres qui viennent, ça veut dire qu'on pourrait éventuellement bénéficier de leur technologie. Bon, on pourrait peut-être aussi se faire péter la gueule façon film hollywoodien, ça oui, pourrait arriver. Mais partout où nous, on a colonisé voilà, les trucs, ça s'est mal passé quand même. Mais hein. C'est ça. Mais disons que s'ils sont pacifiques, on pourrait bénéficier de leur technologie qui est forcément supérieure à la nôtre, puisqu'ils ont réussi à venir et nous, on n'a pas réussi à faire leur trajet. Le velcro, hein, c'est eux, hein, dans Men in Black. Ouais, voilà. Ah. Ça serait pour moi absolument fantastique, ne serait-ce que d'avoir la preuve vraiment formelle qu'on n'est pas seul. Je crois pouvoir dire que ton opinion est la même pour tout le monde du côté. Mais le problème, c'est que si j'ai très envie de les voir débarquer, j'ai pas pour autant envie que, comme le dirait Christophe, mon cerveau tombe par terre et je ne suis pas prêt du coup à accepter n'importe quelle preuve bancale comme étant une preuve ferme qu'ils existent. Donc, j'attends les preuves. Mais quand on m'en ramène une, je dis « Oh, attends, il y a eu tellement de conneries qu'on m'a racontées avant que je vais quand même vérifier. » Et quand je commence à vérifier, je me dis « cette preuve, elle est bancale. » Donc du coup, je la range dans un coin. Et pour le moment, la vraie preuve irréfutable, je l'attends toujours. Ne dis pas irréfutable. Oui, pas irréfutable. La vraie preuve solide. Solide, ouais. Mais pas irréfutable, mais falsifiable, ouais. C'est ça. Et donc moi je vais offrir la réponse de Christophe à sa propre question. Et juste après on recevra un invité mystère dans la chaise qui est là. Donc il faut se préparer à la régie. Christophe lui, je crois qu'il en a déjà parlé. Il m'a dit, tu donneras ma réponse. C'est que lui au départ voulait croire aux extraterrestres, pas mal à tout ça et tout ce qui est un peu paranormal. Et puis à un moment donné il s'est posé les questions. Il a dit, est-ce que j'ai vraiment des preuves pour y croire? Et il a fait le travail de déconstruire un petit peu la manière dont il voulait voir les choses, et il s'est forcé à constater qu'il n'avait pas les preuves. Donc bah maintenant, il suspend son jugement, et on est plus ou moins dans une situation comme ça, où on accepte de croire tout, pourvu qu'on ait les preuves. Et même si c'est désagréable, on pourrait très bien avoir une vérité qui n'est pas agréable, parce que les mensonges sont toujours agréables, mais la vérité pas toujours. Et pas tant pis, si la vérité n'est pas sympa, il faudra quand même qu'on l'accepte. Et donc nous, on est dans cette position-là. Et je vous encourage à la voir, en fait. Je pense que c'est la bonne position. Tu voulais réagir? Moi, j'avais une chose à confesser avant qu'on passe à l'invité. Tu veux confesser? Oui, je tiens à m'excuser. Comme je n'avais pas prévu de faire une vidéo sur les médias suite au Crop Circle, je dois dire que pendant les deux ou trois premières semaines, je ne me suis pas trop intéressé à ce qui s'est fait. J'ai regardé en y détente. Et tous ceux qui ont ramené énormément d'articles, c'est ceux que ça intéressait beaucoup. Il y avait surtout Christophe Michel, Patrice, Francine. Ils disaient, regardez, on parle de nous, regardez, c'est n'importe quoi. Ah ouais, il va falloir que j'en fasse une vidéo. Pff. Donc en fait, c'est eux qui ont fait le boulot de recherche surtout. Et moi, j'ai juste débunké le truc. Voilà. Pardon, désabonnez-vous si vous n'êtes pas voilà. Content. Donc dans l'écosystème, là vous avez le commensalisme au minimum. Hein. Ouais. Ouais, voilà. Et donc, tu voulais présenter la personne qui est là ou tu voulais dire quelque chose? Tu as le micro, Patrice. Non, vas-y.
Alors, du coup, nous a rejoint l'auteur du rapport VK, Gilles. Foutez le bordel. Gilles Munch. J'avais. D'accord, il est très content. Et c'est Gilles, pardon, ton prénom a quitté la. Donc, Gilles, en 94, la moitié de la salle n'était pas encore née. Tu as rédigé le rapport VK parce que tu es allé en Angleterre. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi? Bon, ça, c'est assez simple. Avant de répondre à cette question, j'ai quand même donné deux petites précisions. Allons, oui. La première, parce que j'ai vu beaucoup de choses dans tous les commentaires de vos vidéos respectives. J'ai vu beaucoup de commentaires, j'ai pas tous lu parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais j'en ai lu quand même beaucoup, j'ai même répondu à quelques-uns. Première chose, pour que ce soit clair, je ne fais pas partie de l'équipe qui a fait cette expérience. Oui, tu n'étais pas là. Je n'ai joué aucun rôle dans cette expérience. Non, au contraire, on t'a fait. Si tu étais un cobaye. Et oui, on t'a. Enfin, les deux amis là qui te connaissent bien t'ont gardé dans le silence, enfin dans l'ignorance totale, parce que justement le but c'était de tester tout le monde, y compris les gens dont on sait que sans doute ils allaient pas se faire avoir. Et en fait, bah, tu t'es pas fait avoir. La seule chose qui est sûre après coup, c'est qu'ils me connaissent très bien. On travaille ensemble depuis très longtemps, donc ils savaient que j'irais. Et il savait que j'appliquerais ce que je fais toujours sur tous les crop circles que j'ai fait en Moselle et en Angleterre. Donc il savait très, il n'y avait aucun doute sur ce qui allait se passer par la suite et quel serait mon discours. Donc en ce sens-là, j'ai influencé sans le savoir le fait que je savais ce qui allait se passer de mon point de vue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça a été beaucoup présenté dans les médias, et Francine et Patrice en ont parlé. Tout comme eux, je collabore occasionnellement avec le GEPAN. Donc j'ai été présenté dans la presse ou dans certaines vidéos comme étant le monsieur du GEPAN. Je précise que le GEPAN ne m'a pas du tout missionné pour ça, que je n'ai jamais travaillé avec le GEPAN sur les crop circles, que à ma connaissance, le GEPAN n'est jamais intervenu sur les crop circles. Donc je suis intervenu à titre privé. Je le faisais depuis 89 et je fais partie du GEPAN depuis beaucoup moins longtemps. Ça fait presque 30 ans. Ça fait, oui. Pardon, hein. 40 ans. Ouais, 30 ans. Bah non, bah attends, t'énerves pas non plus. Ça fait 40 ans. Oui, ça fait 40 ans que je m'intéresse au phénomène OVNI, donc je viens à la question. Mm-hmm. Donc je travaille au sein du groupe, comité nord-est des groupes ufologiques, qui est à une dizaine, quinzaine, il y a eu plus à une époque, une belle époque, mais c'est fini. Un certain nombre de personnes qui s'intéressent donc au phénomène OVNI. Donc c'est le CNEGU. Le comité nord-est CNEGU, comité nord-est des groupes ufologiques, et qui donc travaille depuis 40 ans cette fois sur le nord-est de la France, et beaucoup sur la région de Nancy d'ailleurs. Il y avait des gens de Nancy, il y avait un groupe à Nancy, à l'origine du CNEGU. Je travaille sur les phénomènes OVNI, point. Moi, à l'origine, je m'intéressais à l'astronomie, je suis arrivé à l'ufologie par l'astronomie et par une observation personnelle. Donc ça, c'est autre chose. Donc, il s'est trouvé que dans les ovnis, vous savez que dans toutes les histoires d'ovnis, on amène souvent, surtout à cette époque-là, la preuve ultime, c'était la photo ou les traces. Donc tout le monde rêvait d'avoir des photos et des traces. Or, quand les crop circles ont commencé à apparaître en Angleterre, et plus le temps que ça vienne en France, c'était à peu près en 88-89, un ufologue bien connu, M. Jean Sidère, est venu à notre invitation à une session du CNEGU pour nous parler des crop circles. On était très intéressés par la question, surpris et intéressés. On avait déjà vu quand même quelques articles avant. Et la particularité des crop circles, c'est qu'on avait des traces récurrentes, ce dont tout le monde rêvait. Et comme l'a dit Francine, beaucoup de gens associaient ces traces avec les crop circles avec des extraterrestres, avec des ovnis, etc. On s'est dit, allons vérifier nous-mêmes. Pour une fois qu'on a des traces récurrentes, la meilleure façon, c'est d'y aller puis de les regarder, ces traces. Malchance pour nous, ça se passait qu'en Angleterre et pas en France à cette époque-là, 88-89. Oui. Donc, nous avons monté une première expédition en 89. Nous étions une quinzaine de personnes. Il y a un peu moins qui sont allés sur place parce que tout le monde n'a pas pu y aller à la dernière minute. Il y a toujours, comme on l'a dit tout à l'heure, des désistements. Donc, nous sommes allés là-bas. Nous avons rencontré tous les spécialistes anglais de l'époque. Nous avons visité beaucoup de crop circles. Nous avons été séduits par la beauté d'abord des crop circles.
Et puis on n'a rien vu de... On n'a pas compris du tout. Et pour nous, l'objectif, c'était d'aller voir pour savoir chercher des indices d'étrangeté ou des indices de non-étrangeté. On est revenu après fin 89 avec des belles photos, avec des souvenirs plein la tête, avec des avis de beaucoup de spécialistes, mais on n'avait aucun indice ni d'étrangeté ni de non-étrangeté. Ah bon. On pouvait donc rien dire dessus, si ce n'est dire que c'était beau et qu'on avait entendu beaucoup de choses dessus. On a donc préparé un voyage en 90 avec un gros travail de préparation pendant toute une année. Nous sommes repartis avec toute une équipe, avec cette fois un projet. Entre-temps, nous avons fait faire un test par un truquiste de télévision parce qu'en préparant tout ça, l'hypothèse de fabrication humaine commençait quand même à nous trotter dans la tête. L'hypothèse quoi ? L'hypothèse de fabrication humaine, des crops. Commençait à nous paraître, en y réfléchissant, quand même la meilleure, la plus probable en tout cas. Donc on s'est posé la question que vous avez eue, vous, de la faisabilité, mais on était en 90. Et on n'avait pas le même contexte, ni les mêmes moyens que maintenant. Les planches, les cordes, donc nous, on est passé, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas tout ça, on est passé par un truquiste de télévision pour essayer de faire une expérience sous contrôle du huissier. Cette expérience nous a montré que c'était faisable. Donc nous, on est reparti en 90 en Angleterre avec la certitude que c'était faisable. On avait fait le crop circle le plus complexe qui n'avait jamais été fait, puisque le plus gros crop circle était un quintuplet, et nous on avait fait un quintuplet avec deux anneaux. Donc quelque chose de... Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais c'est sûrement très impressionnant. Donc à l'époque, c'était le plus complexe. C'était le plus complexe, okay. Le plus complexe d'Angleterre. Et nous sommes donc repartis en 90, en ayant d'ailleurs prédit que ça allait se complexifier, qu'il y aurait des sextuplets ou autre chose. Oui. Et en fait, il y a eu des pictogrammes. Il y a eu Alton Barnes, le premier pictogramme. Donc, on a été plus que... C'est-à-dire, on voit bien dans la vidéo de Arnaud sur la troisième, on a le pape des crop circles qui dit que ça fait 40 ans qu'on a la même chose. Et tu fais apparaître à l'écran l'évolution. On voit clairement qu'on a des cercles. Non, ça s'est complexifié au fil des années. Plus ça va, plus les gens se font plaisir en faisant des trucs de plus en plus chiadés. Tout à fait. Donc, clairement, il y a eu une évolution. Quoi. Je précise qu'on avait fait quelques crop circles tout petits, quelques essais préalables. À Nancy. Personne ne les a vus parmi donc vous. Donc on est dans la matrice. Donc nous sommes partis il y a 90 avec un projet très précis et notre objectif était toujours de trouver des éléments, des indices d'étrangeté ou de non-étrangeté. Et on a commencé à trouver pas mal de choses, des petits indices, des petites choses. Et on a commencé à comprendre pratiquement le jour, la veille de notre retour du voyage de 90. D'accord. Et c'est là que les choses ont commencé à se mettre en place et qu'on a commencé à avoir un certain nombre d'indices, cette fois de non-étrangeté. Donc des indices qui allaient dans le sens de la fabrication. Et les saisons d'après, tu es juste allé vérifier si ça marchait. 92, on était allé vérifier. 93 aussi. Et puis après, on a dit, bon voilà, c'est toujours pareil. On a compris le truc. Personnellement, moi, je suis parti aller voir ailleurs, dans d'autres pays. Est-ce qu'une expérience comme celle qu'on a fait sur l'initiative d'Arnaud apporte un truc? Alors, je vais dire encore expert, pardonnez-moi, mais voilà, les gens qui s'y connaissent un peu, qui suivent le sujet, est-ce que ça apporte, est-ce que, au-delà de servir à nous pour essayer d'être pédagogue sur la méthode comme on l'est sur nos chaînes, et d'éventuellement de montrer que telle ou telle personne qui prétend, et qui parle à côté des vaccins et qui parle aux morts, etc., je trouve quand même que c'est relativement grave et que ces gens devraient se calmer et que les gens qui croient devraient peut-être se poser des questions, au-delà de ça. Les gens qui, depuis 30 ans, 40 ans, s'intéressent à la question, est-ce que l'expérience a apporté quelque chose ? Mon avis personnel. Alors moi, je trouve l'expérience très intéressante, mais elle ne vise pas du tout les buts qu'avait le groupe VK. C'est-à-dire que nous, on cherchait à savoir quelle était l'origine de ces crop circles. Est-ce que c'était terrestre ou autre ? Pas forcément extraterrestre, autre, mystérieux. Alors que vous l'avez cherché à... tester l'argumentation des gens qui parlent les crop circles. Oui. C'est deux problèmes différents. En fait, ce qui donc s'est vous n'aviez pas les mêmes objectifs que nous. C'est ça. Ça, c'est un truc qui nous a beaucoup été reproché, donc je veux juste revenir dessus. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Oui, mais votre expérience ne prouve pas que ce sont tous des faux, votre expérience ne prouve pas qu'on peut faire des compliqués, etc. » Ça n'a jamais été le but. Nous, notre expérience, c'était de tester les soi-disant spécialistes de la question. Nous, c'est des gens disent que c'est fait par les extraterrestres, d'autres disent que c'est fait par les humains, mais ils vont voir les mêmes crop circles et ils arrivent à des conclusions différentes. Donc il y en a forcément au moins un des deux qui se plante. Et nous, ce qu'on a voulu voir, c'était lesquels.
Donc on a fait notre crop circle sans dire à personne quelle était son origine. On a laissé les spécialistes venir donner leur avis et on en a tiré nos conclusions. C'est tout. Et comme dit Christophe dans la vidéo qu'on a passée, malheureusement, on ne peut pas tester la méthode des sceptiques. Vu qu'on savait que ce n'était pas un vrai et qu'on n'a pas les contacts pour faire des crop circles extraterrestres, fatalement, on ne pouvait pas donner tort aux sceptiques, encore que les sceptiques ont été au-delà de ça. C'est-à-dire que Gilles était capable de dire, voilà, cette partie-là a été faite avant ça, donc lui, il a reconstitué comment ça a été fait. Et là, on est largement au-delà de ce que vont pouvoir nous décrire l'autre camp. Donc d'un point de vue résultat, on a quand même bien une supériorité dans le diagnostic dans un camp par rapport à l'autre. Donc ça au minimum, on l'a observé. Ouais, alors il faut quand même que je dise un truc, parce que je te l'ai encore jamais dit en live, Gilles, mais quand t'es arrivé dans le crop circle, que t'as dit voilà, ça a été fait comme ça, comme ça, comme ça, moi j'étais probablement un peu poker face, hein, mais dedans je me décomposais. C'était putain, il a tout je trouvé. Je l'ai pas vu. Mais bravo, c'est... Gilles. Voilà. C'est bravo Gilles. Mais... Oui, mais c'est vrai, j'étais prévenu. Il fait gaffe, lui. Oui. Il m'avait prévenu, il m'a dit attention, lui c'est une pointure et ouais, il m'a impressionné. Mais pour moi, effectivement, ça va au-delà du on peut pas tester les sceptiques. C'est que le sceptique, c'est pas contenté de dire c'est fait par les êtres humains, genre c'est fait par les êtres humains. Non, non. Il a trouvé le déroulé complet de la création du crop circle. C'est quand même plus que juste une simple allégation. Quoi. Alors, je peux préciser une chose quand même. En fait, rapport GK-VK, on associe Gilles Munch, bon, c'est une chose. Mais en réalité, le rapport VK, c'est d'abord tout un travail collectif qui s'est étalé sur plusieurs années. Je suis effectivement celui qui a eu le plus de continuité dans ce travail. Et je suis un des deux qui sont à l'origine de l'idée de partir. Donc, j'assume, mais c'est un travail déjà collectif. Ensuite, à partir de là, on a petit à petit, laborieusement, mis en évidence un certain nombre d'indices, des recouvrements, des sentiers cachés, des malfaçons, etc., qui nous ont permis d'avoir, pour nous, des indices de non-étrangeté. À partir de là, le rapport VK est simplement né parce qu'on arrêtait, mes camarades ont considéré que l'affaire était réglée pour eux, comme on travaillait pour nous avoir une réponse à la question origine terrestre ou origine exotique, on avait notre réponse. Donc, la plupart ont cessé le travail. Et moi, je trouvais dommage de ne pas marquer ça noir sur blanc. Après, l'oubli fait que très rapidement, on perd toute trace du travail fait. Donc, moi, j'ai rédigé, et ça tout seul, le rapport VK, mais je n'ai fait que mettre en forme, à ma façon, sans en parler aux autres, le travail collectif de tout le monde. Une fois ce travail fait, mes camarades auraient pu certainement rédiger la même chose ou le faire différemment, peut-être le faire mieux. N'importe qui d'entre vous qui prend les principes VK, puisque je les ai présentés dans ma tête, tout ça s'est fait doucement. J'ai présenté ça sous forme de principe parce que ça a été la première façon qui m'est venue d'expliquer ça. Si vous prenez les principes VK avec les détails qu'on demande, que je propose de vérifier, et si vous avez sur place avec ça en tête ou avec le document, vous allez pouvoir faire le même travail que moi. Ce que j'ai fait à Sarah Altroff, n'importe qui d'entre vous peut le faire. Patrice et Francine l'auraient fait exactement comme moi. Et avec Patrice et Francine qui n'ont pas participé au travail VK, ils sont venus après, ils ont lu le rapport VK, on en a souvent discuté entre nous, et on a eu l'occasion d'aller à S et à d'autres endroits ensemble. Ils sont allés tout seuls ensuite sur plusieurs cross-circles où je n'étais pas avec eux. Ils ont fait exactement le même travail que moi. Qui d'entre vous peut faire exactement les mêmes constats. Une fois qu'on sait ce qu'il faut chercher, peut-être que vous pourriez même trouver des choses qui nous ont échappé. C'est à ça qu'on voit une bonne méthode, c'est que différentes personnes appliquant la même méthode ont le même résultat. On ne passe pas de 20 000 à 1 million de bovis sur le même truc. C'est pas mes avis, c'est pas mes idées, c'est des faits constatables que n'importe qui peut constater et peut déduire ce qu'il veut. Il peut déduire les mêmes choses que moi. À partir de là, moi, je suis ouvert. Si un crop circle, on me montre qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus étranges et que je peux pas les expliquer, ça deviendrait intéressant. On cherchera. Je retrouverai un petit peu le plaisir que j'avais en 89 quand on est parti, ou même en 90, où on était, quand on dormait dans les crop circles, ou qu'on surveillait au-dessus de Cyber Hill pour voir si on voyait des gens en fer ou si on voyait des ovnis ou je ne sais pas quoi arriver, il y avait quand même une certaine... C'était l'aventure, c'était quoi. C'était très fun, ouais. Ah oui. Bon. Et maintenant, c'est moins fun, je trouve. C'est moins fun, mais il y a d'autres choses. Je ne sais pas.
C'est l'heure de passer aux questions. On a débordé parce que du coup, il y en avait beaucoup de choses à se dire. Donc, je me tourne vers le chat pour voir s'il y a une question intéressante. Et puis, Guillaume va vous dire comment on fait. Je pense qu'il faudra que vous vous approchiez près de la marche ici. Comme ça, moi, je pourrais venir avec un micro ou quelqu'un viendra avec un micro pour vous tendre le micro pour poser votre question. Et puis, on essaiera d'échanger comme ça. Francine, tu veux dire un truc ? Oui, juste pendant le temps qu'il s'installe avec le micro. Juste dire que Gilles Munch, en fait, quand il explique la chronologie de fabrication des crop circles, c'est qu'il étudie les recouvrements des épis. C'est-à-dire que les épis sont recouverts quand on forme une figure, et puis d'autres viennent au-dessus ou en dessous. Donc c'est ça qui permet de déterminer la chronologie de fabrication d'un crop circle. Ça, il peut l'expliquer, c'est de l'observation. Par ailleurs, je veux dire quand même qu'on est quand même bien formaté au niveau des crop circles, parce qu'on s'attend à trouver, même nous quand on y va, on s'attend à trouver ce qu'on a déjà trouvé. Dans l'opération Saraltrof, il y a un membre de l'équipe, Christophe Michel, qui n'est pas là, mais oui. qui est malheureusement qui n'est pas présent sur le plateau, mais qui est sur le chat, bonsoir Christophe, qui a versé de la poudre rouge. Du petit sable fin, oui. Du petit sable fin de couleur rouge. Et d'après ce que j'ai vu, mais là tu pourras peut-être me rectifier, il a fallu que ce soit toi qui insistes pour que quelqu'un voie cette poudre et qui en a trouvé une explication qui n'était pas la bonne, mais qui a trouvé une explication. Apparemment, cette poudre rouge qui était vraiment visible n'a pas été relevée par les gens qui ont visité le crop circle, y compris par Gilles. Parce que personne ne s'attendait à la voir. Parce qu'on est formaté. On sait ce qu'on doit y trouver et voilà. Il aurait été au courant, il l'aurait trouvé. Voilà. Ouais, il aurait été au courant, il l'aurait trouvé. Alors, je vais mettre une nuance. Alors, effectivement, il y a quelques personnes qui ont relevé le sable rouge, c'est notamment celle qu'on voit dans la vidéo. Mais vu que certains l'avaient relevé, quand j'étais en caméra cachée, il y en a certains, je leur ai tendu la perche. Je leur ai dit, t'as vu, il y a des trucs rouges là dans le champ, et c'est tout. Le but n'était pas de les influencer, juste de dire « il y a ça ». Et je voulais voir ce que les gens me répondaient. Et alors, j'ai eu principalement deux cas de figure. Le premier, c'était « oh, bah, c'est probablement rien, ça, c'est une explication prosaïque quelconque ». J'ai même des gens qui m'ont dit « c'est sûrement quelqu'un qui l'a mis là exprès pour induire les gens en erreur ». Bah, très bon raisonnement. Et j'ai d'autres personnes qui, à partir de la même question, enfin de la même affirmation, « regarde, il y a un truc rouge là », qui sont partis dans des explications super compliquées. Néanmoins, le sable rouge de Christophe a quand même été globalement un peu un fail, parce qu'on s'attendait à ce que beaucoup plus de gens le remarquent, voire même que certains l'analysent, mais on a été confronté quand même à une certaine fainéantise, c'est-à-dire que les gens le relevaient, et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah, il faudrait analyser ça !» Ben oui, qu'est-ce que t'attends ? Il faudrait, fais-le, enfin, ou demande à quelqu'un de le faire, je ne sais pas, fais quelque chose. Mais les gens ont dit il faudrait, mais personne ne l'a fait. Ah, il faut que je continue, d'accord. Alors, je voudrais juste finir sur un truc, je voudrais juste revenir sur le rapport VK. Ceux qui veulent s'entraîner au rapport VK, à utiliser le rapport VK, vu le nombre de mails que j'ai déjà reçus de gens qui me demandent comment faire un crop circle, l'année prochaine... À mon avis, vous pourrez tester le rapport VK près de chez vous. Il y a des vocations qui sont nées à Saraltrof. Donc là, je suis parmi vous. Il faut vous lever sur vos jambes, vous déplacer, et là, je vous tournerai le micro pour une question ou deux questions. Bonjour, monsieur Comtesse. Merci de me reconnaître. Ufologue. Ufologue. Je voudrais déjà poser une question à Arnaud. Arnaud, je t'ai invité à plusieurs reprises. Pardon de te tutoyer. Je vous ai invité à plusieurs reprises de me contacter. Non, mais le tutoiement, ça me va. Bon, je vous ai invité à plusieurs reprises de me contacter. J'ai même essayé de vous corrompre avec un cuisseau de porcelet. Les ufologues sont comme ça. Ils essayent de. J'aimerais savoir si j'ai exigé de vous quelque chose. Est-ce que j'ai exigé que vous me contactiez ?
Non, mais alors par contre, pour les messages, je suis désolé. J'ai été insistant, ouais, certes. Mais alors, j'ai reçu des dizaines de milliers de messages là-dessus, et franchement, je n'ai pas pu tout lire, donc je suis désolé, mais il est probablement passé à la trappe. Vous l'écrirez sur votre site si j'ai exigé quelque chose de vous, parce qu'il y en a une qui a bien entendu dit que j'ai exigé de vous, que vous me contactiez, en disant en plus que « mais c'est qui ce type pour exiger quelque chose ?» Bref. Gilles, tu me confirmes que tu n'as pas été contacté par les deux là. Monsieur Comtesse, oui. On peut avoir une question intéressante. Alors on va avoir une question intéressante justement pour le rapport VK. Le rapport VK, donc il y a 8 éléments, 8 principes. Moi ce que j'aimerais savoir, c'est admettons que les extraterrestres ils existent, admettons qu'ils viennent sur Terre, et admettons qu'ils viennent faire un cercle de culture. Ce que moi, je voudrais savoir, c'est quel élément des 6 ou des 8 qui sont présents dans le rapport VK, il n'y aurait pas pour préciser que c'est des extraterrestres et pas des humains. C'est-à-dire, parce que pour moi, les extraterrestres, si déjà ils font l'effort de venir sur Terre, ils vont bénéficier d'une technologie que nous, on n'a pas. On nous dit régulièrement que les crop circles sont faits en quelques secondes. On voit des vidéos sur Internet de boules qui tournent et pouf, le truc est fait. Pour moi, ce système de création en 3 secondes, le crop circle est fait, ça ne laisserait pas de traces de passage à l'entrée du champ, ça ne laisserait pas des témoignages comme on a eu dans ma région de gens qui entrent dans le champ et sortent quelques heures après. C'est par rapport aux témoignages. On est bien d'accord, c'est par rapport au témoignage. Oui, quand on rentre dans un cercle de culture, qu'on est déjà presque persuadé que c'est des hommes qui l'ont fait, et j'en suis persuadé aussi, puisque je ne me suis intéressé qu'à 2 cercles de culture. Hein, d'ailleurs, même celui que vous avez fait, j'étais au courant dès le départ de votre création, et je ne me suis pas déplacé. Parce qu'on m'a demandé pourquoi. Hein, comtesse, 25 ans d'agriculture, on m'a demandé pourquoi. Hein. Et puis on m'a même trouvé 29 ans de travail, j'ai 65 ans, hein. Et on m'a trouvé 69 ans de travail. Hein, j'ai travaillé. On va revenir à des questions intéressantes. Oui, on est d'accord. Donc, quand vous utilisez des planches dans les cercles de culture, à chaque fois que vous posez votre planche par terre, votre planche elle passe une fois à droite, une fois à gauche, de quelques centimètres. Et on le remarque dans le contour du cercle de culture. Voilà. Moi ce que je veux savoir, c'est quel... C'est des 8 principes du rapport VK, il n'y aurait pas si c'est des extraterrestres qui viennent le faire. C'est tout. Déjà, le sentier caché, si c'est des extraterrestres qui le font, ça ne fait pas sens. Vous avez dit la dernière fois sur Internet que vous seriez pas d'accord, que vous n'êtes pas d'accord que les extraterrestres envoient des courriers postaux. Oui, moi j'ai une question quand même, c'est pourquoi des gens qui bénéficient d'une telle technologie, qui auraient fait un voyage de dizaines d'années-lumière, etc., s'ils voulaient s'adresser, je vais vous poser la question comme ça, imaginons qu'on a une société extraterrestre qui décide de faire le voyage jusqu'à la Terre et de prendre contact avec la race humaine. Ils connaissent suffisamment notre société pour connaître notre langue, pour connaître le service postal. Déjà, rien que savoir comment marche le service postal quand on est On a du mal parfois, nous, à y arriver. Quand on est une autre race, c'est pas forcément évident de se dire qu'il faut aller à l'enseigne jaune et bleue et puis mettre un timbre, etc. Donc, s'ils savent ça, ils connaissent déjà un petit peu notre société. Pourquoi ils sont pas allés voir l'ONU ou un consulat ou quelque chose pour dire « Eh oh, on existe, on a un message pour la Terre ». À la place, ils sont allés se planquer au fond du Cantal et ils envoient des lettres uniquement à une poignée de personnes qui sont déjà convaincues de leur existence. Factuellement, c'est ce qui se passe. Oui, factuellement, c'est ce qui se passe. Tout à fait. Non, mais moi, en ce moment, vous êtes en train de prêcher quelque chose qui est évident. Mais moi, ce que je demande, c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir de différence entre un crop circle fabriqué par un homme, et il faut me le dire. Justement, on va vous le dire, vous faites une erreur de logique. Vous présentez quelque chose comme étant des preuves... Non, c'est une supposition. Une supposition moi, je ne crois pas du tout à l'existence des extraterrestres. Oui, non, une supposition qui se base sur une erreur de logique. C'est-à-dire que si un jour, il y a des trucs qui ne sont pas dans le rapport VK, on se dira, on n'en sait rien puisqu'ils ne sont pas dedans. Donc si on trouve un autre truc... Et que c'est pas dans le rapport, on dirait ça c'était pas dedans, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc lequel ? Je sais pas moi. Par avance, la manière dont les extraterrestres vont vouloir s'exprimer. Voilà, on ne sait pas. C'est à eux de nous surprendre. Alors à ce moment-là, je vais faire un rapport sur la pluie qui tombe de haut vers le bas,
Et puis je vais vous donner tous les principes en ce qui concerne et mon rapport va être valide. Ça c'est plutôt commun, la pluie qui tombe du haut vers le bas, on est assez au courant de... Si un jour la pluie tombe du bas vers le haut, là on se dira... Micro, voilà. Si un jour la pluie tombe vers le haut, ce sera bizarre. Bah typiquement, si un jour un truc très très bizarre se passe, on aura l'indice qu'il faut qu'on cherche mieux. Le problème c'est ça, moi ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'avec un rapport VK, on sait que c'est des hommes. Il y a un problème en régie. Il faut prendre le micro quand vous parlez. Mais je vous le tiens. Quand c'est des hommes qui l'ont fait, comme on sait que de toute façon, ce sont des hommes qui les font dans la plupart des cas, on tombe forcément sur cette chose-là. Ce que je veux savoir, c'est que le jour où on va tomber sur un cercle de culture qui n'est pas fait par des hommes, qu'est-ce qu'il faut enlever de là-dedans? Mais il ne faut pas l'enlever, puisqu'on ne sait pas ce que ça va être. C'est-à-dire qu'on a 8 principes. Quand on va regarder un cercle et qu'on voit que Ça y est, ce sont les humains. Si un jour les principes n'existent pas, mais on ne peut pas deviner ce que ce sera. Est-ce que les blés ils seront multicolores, couleur arc-en-ciel? Est-ce qu'ils sentiront le pop-corn avec de la merde de chacal? On ne peut pas le dire. Voilà. On ne sait pas. Et s'ils prennent des planches et des ficelles? Ben, s'ils prennent des planches et des ficelles, a priori, ils ne méritent pas de venir en si soucoupe interstellaire. Si les extraterrestres prennent des planches et des ficelles, c'est des petits malins et ils méritent qu'on ne les reconnaisse pas. Voilà. Mais s'ils veulent qu'on les reconnaisse, ils iront peut-être faire autre chose que faire des cercles. Alors, dans les champs de blé. Parce que, mais déplacez-vous. Mais il y a peut-être... genre, s'ils allaient sur le mont Rochemort et au laser gravé « Nous existons », on serait étonnés. Moi, j'ai quand même une question parce que je voudrais juste rappeler le principe du rasoir d'Occam. C'est supposons que les extraterrestres viennent sur Terre, décident de faire des crop circles pour, je ne sais pas, faire passer un message ou quoi. Pourquoi est-ce qu'ils décideraient de dire on va chez Bricomarché prendre des planches, des ficelles, etc. et faire ces crop circles de cette manière-là? La question, c'est ça. C'est pourquoi les extraterrestres décideraient de le faire comme ça? Voilà. Et on n'a pas la réponse. C'est une question ouverte. Mais en soi, ça indique bien que ce serait bizarre. Et bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Ça va bien. Et sinon, alors... Alors moi, j'ai une question sur l'échelle Bovis. Alors, est-ce que c'est quelqu'un en particulier? Je ne sais pas si vous l'avez expliqué. C'est Monsieur Bovis. Oui, c'est Monsieur Bovis en personne. Ok. Sur quoi s'est-il basé pour faire une échelle qui est basée principalement sur un aspect subjectif? Comment il a pu créer une échelle que tout le monde va... Pendant la création de la vidéo, j'ai fait quelques recherches sur l'échelle Bovis. Et la seule réponse que je peux te donner, c'est la même qu'on donne dans les jeux de rôle. Ta gueule, c'est magique. Je suis désolé, mais j'ai sincèrement fait des recherches sur l'échelle Bovis pour pouvoir en parler. Et les seules choses que j'ai trouvées, c'est de l'énergie. On ne sait pas laquelle, on ne sait pas sur quoi ça vibre. Des fois, c'est des angströms, des fois, c'est des hertz. C'est impossible de trouver quelque chose de concret, en fait. Et quand on écoute les gens qui la pratiquent, eux-mêmes le disent, c'est subjectif. C'est un ressenti et eux vont projeter sur le cadran ce qu'ils ressentent. Donc, le cadran ne représente absolument rien au final. Enfin, c'est pas quelque chose de quantifiable. Alors, sur le cadran, les cadrans, quand tu les as sous les yeux, c'est comme un cadran de bagnole, tu sais, avec les kilomètres-heure, mais là c'est les Bovis. Et celui qui mesure selon son ressenti, et ben le pendule va osciller dans la direction qui lui chante. Et là où c'est vraiment subjectif, c'est qu'il y a un mec qui vient dans le crop circle, il trouve 15 000 Bovis, l'autre il va trouver 15 millions. Et non, comme 1,5 million, tu te dis. Oui, mais aussi du 15 000, hein. Et le truc c'est qu'il y a zéro consensus. Moi, il est là mon problème, c'est que si maintenant ils trouvaient tous des trucs un peu similaires, je dirais, ouh, il y a quelque chose, il y a peut-être moins l'imprécision du mec qui mesure, il y a quelque chose. Mais non, ils ont trouvé tout et son contraire. Et si à la limite ils trouvaient tous des valeurs hautes, j'aurais dit ok. Mais il y en a qui trouvaient des énergies négatives aussi. Il y en a un qui te dit c'est super bénéfique, l'autre te dit il faut vite se barrer. À qui on croit à la fin? C'est ça le problème. C'est pas un truc qui sort de nulle part, c'est-à-dire que l'idée que la personne est le récepteur et qu'elle transmet via le mouvement des mains, c'est le principe des sourciers. On a théorisé ça comme quoi il y avait des récepteurs dans les talons, les gens percevaient le champ magnétique qui serait dû à la présence de l'eau. Ça n'a jamais été prouvé, hein. On a des gens, même des savants qui sont penchés là-dessus, ça n'a jamais été prouvé. Et donc l'unité Bovis est l'héritière de ces unités comme ça de perception. C'est ça. Voilà. Et on n'a pas plus d'infos que ça à ma connaissance. Merci pour la question. Next, bonjour. Alors moi c'est une question surtout par rapport au projet que tu avais dit que tu voudrais en refaire donc en Angleterre.
Est-ce que tu n'as pas l'impression, par contre, que... Alors, attends, deux secondes, quoi ? Nous avons un problème technique. Le Wi-Fi doit se relancer. Écarte-toi. Je ne suis pas superstitieux parce que ça porte malheur, mais... Voilà. Alors, ceux qui ont des énergies négatives, vous mettez plutôt au fond de la salle. Bah oui, mais voilà, c'est vous, mais c'est bien, ils sont au fond. Donc, plutôt positif. Pensez positif. Hein ? C'est quoi ? Positive attitude ? On va faire des homes pour faire revenir Désolé, la Wi-Fi. Désolé, j'aurais pas dû dire ça. Hein. Pardon, Bled. Bled triggered par la musique de qualité supérieure. Voilà. Quelle heure est-il, s'il vous plaît ? Il est 22h. Il est 22h. À quelques minutes près. Donc, je prends les quatre questions et c'est tout. Il n'y aura pas d'autres questions. C'est bon ? Alors, on a repris le Wi-Fi à récupérer des bovis. Donc, prochaine question. Voilà, bonsoir. Donc, moi, c'est une question par rapport à donc, le projet que tu as de retourner en fer aux États-Unis, oui, en Angleterre, donc avec la petite équipe. Est-ce que tu n'as pas peur, par contre, que vu que les vidéos sont déjà faites, que vous avez l'entrée du décor ? Pourquoi ça s'étouffe tout seul ? On doit rester humble. Hein. On ne pense pas que notre crop circle va sauver le monde ou quoi que ce soit. On sait bien que les gens qui veulent croire vont dire, mais ça ne prouve pas que les autres n'en sont pas. Et c'est vrai en soi, donc ils peuvent s'arranger. Si vraiment ils vont s'arranger. Mais c'est les gens qui se disent, tiens, c'est sympa, c'est marrant, qui sont séduits. Là, ils voient que ceux qui en parlent le plus sont ceux qui se trompent le plus. Donc, peut-être qu'eux, ils font gaffe. Mais en gros, dans le monde, on a toujours eu des gens crédules, des gens croyants. On en aura toujours. Et on n'a pas l'ambition d'éradiquer la croyance. Donc, ça va changer un tout petit peu. Bah, éventuellement, on aura un peu de poids sur ceux qui étaient tentés de croire, mais ceux qui veulent vraiment y croire à fond, je crois qu'on ne peut rien faire. Donc, il ne faut pas qu'on s'acharne dessus. En fait. Ah oui, attendez, du coup, la phrase de fin. Il serait bien qu'un jour l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Mesdames et messieurs, c'était le vrai Defecator. Defecator sans le masque, c'était lui. Dernière question. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Sur la tâche, voilà. Bonjour, donc moi c'est Erwan. Ça tombe bien qu'on ait parlé du Defecator. Prends le micro. Merci. C'est très bien qu'on ait parlé du Defecator parce que ma question s'adresse à la fois à Arnaud, je pense, et au Defecator. À quel point vous avez été étonné de voir des Raéliens arriver sur le Crop Circle ? Et est-ce que c'est suite à ça que le Defecator, s'il est toujours là, a décidé de les inclure dans sa vidéo ? Ou est-ce que c'est une coïncidence et une bonne coïncidence ? Alors, je peux pas répondre au nom d'Umbert, je veux dire le Defecator. Merde, j'ai merdé. Non. Alors, le Raëlien, parce qu'il y en avait qu'un, j'en ai vu qu'un. Alors, il y en avait peut-être d'autres que j'ai pas interviewé, mais lui était vraiment prosélyte. Il a débarqué, il avait l'étoile de David avec la svastika autour du cou. Il y avait aucun doute sur qui il était. Il a beaucoup, beaucoup parlé des crop circles. Il m'a tendu le fascicule, machin, viens voir le site internet, etc. Il y avait aucun doute que lui était Raëlien. Il y en a peut-être d'autres qui sont venus de manière plus discrète. Par contre, cette année, j'en ai vu qu'un, mais quand j'ai visité certains crop circles avant, ils étaient nettement plus nombreux. Ils ont placardé des affiches dans les patelins autour, etc. Je crois que je dois encore en avoir à la maison. J'en avais décroché quelques-unes, justement. Il y a quelques années, c'était beaucoup plus important, mais j'ai l'impression que le mouvement raélien s'essouffle un petit peu. Mais il y a de ça, je sais pas, 10 ans, il y en avait déjà plein. Il laissait des placards dans le patelin. Il campait toute la nuit dans les champs. C'était voilà. Après, je peux pas répondre au nom de Defecator. Tu nous entends ? Oui, oui, toujours. Alors, du coup, toi, ta réponse à cette question, s'il te plaît. Si tu te rappelles de la question. Il y a un délai. Pardon, j'ai un petit souci. Oh là là. La question était... À propos des Raéliens, c'est ça ? Oui. Oui, j'ai eu quelques Raéliens qui sont venus dans les commentaires. Mais très peu. Je dois avouer que j'étais un peu déçu quand même par rapport aux partisans de la Terre plate. J'espérais d'avoir plus. Je crois que le Raélien se met en perte de vitesse. Ah, peut-être, d'accord. Donc pas tellement de... Bah, puisque j'étais en ligne et que l'émission touche à sa fin, as-tu un mot de la fin ou une remarque ou une annonce à faire ou quelque chose ou tu veux nous inviter à déjeuner, je sais pas.
J'ai trouvé dans le chat des réactions très intéressantes, et notamment quelqu'un proposait de faire un crop circle dans la barbe d'Arnaud. Dans la barbe. Écoute, on va s'en occuper, on va acheter des petits ciseaux. Tu partiras pas indemne, Arnaud, de cette émission. Il y a des conséquences hein, dans la tronche en biais. As-tu une dernière chose à dire avant que je donne la parole pour le mot de la fin aux différents invités? Je parle toujours à Defecator. Non, pour ma part, je suis ravi d'avoir assisté à la tronche en live. Je n'étais pas entendu ce que Guillaume me parlait en même temps, parce que ce petit canaillou me donne des consignes dans mon oreillette que je n'ai pas. Donc, c'était intéressant ce qu'elle a dit? C'était bien? Oui. Bravo! Ce que tu as dit était très bien, ça a plu à tout le monde. On t'embrasse. Bisous à ta famille. Merci. À bientôt! Non. Soyez gentils, j'ai un travail à faire. Donc. Gagnez pour le ravage! Non. Bon, oh! C'est qui le patron? C'est lui le patron? C'est moi le patron? C'est Vlad le patron. Enfin, c'est Guillaume. Bon, alors. Mot de la fin. J'aimerais que donc. Francine, tu as une annonce à faire. Oui. Sur un numéro que les gens doivent acheter dans chez leur marchand de journaux. Oui, Science et Pseudosciences, le prochain numéro donc de l'AFIS. Association française pour l'information scientifique. C'est ça. AFIS. Donc, a fait un article sur les crop circles, l'évolution, où s'en est maintenant, avec un encadré donc, sur l'opération Saraltrof. Donc Science et Pseudosciences sort le 14. Et ça sort quand, le 14 novembre, octobre. Octobre. Bientôt, hein, renseignez-vous, achetez-le. C'est bien, il y a même un article sur la vie après la mort dans Science et Pseudosciences qui était vachement bien, je vous le conseille. Bon, bref. Le nôtre sera mieux. Arnaud, non, il était bien, il était bien. Non, mais Patrice, tu n'as plus la parole. Arnaud, as-tu un mot de la fin, un truc que tu veux nous révéler qui te dévore l'âme? Foutez le bordel! Allez, le chat floudé comme des grosses salles! Je n'aime pas la foule, ok? Encore un dernier mot? Patrick, non, il a fini, hein. De toute façon, il fait une vidéo tous les deux jours, donc les gens iront voir. Justin. Ah, il débranche. Bon, Patrice, est-ce que tu as un mot de la fin, une déclaration définitive, une dernière volonté? Te revoir. D'accord, on prend rendez-vous, on se voit bientôt et on se fait une bouffe, un crop circle. Lors d'une DNDE, peut-être? Non, mais peut-être qu'on se verra à l'AFIS, aux 50 ans de l'AFIS, non? À Paris. PA. Moi, c'était merci, parce que c'est cool d'avoir l'occasion de faire de la zététique en physique, en vrai, de faire les expériences et de voir ce qui se passe derrière et quand ça marche un peu comme on a prévu ou pas, qu'on n'a pas prévu. Et ça, c'était super cool, c'est de mettre les pieds dans le plat. Et même si des fois, on se casse la gueule, c'est super sympathique. Mettre les mains à la pâte et pas les pieds dans le plat, c'est pas pareil. C'est pas la si, même si, mettre les pieds dans le plat, parce que des fois, on se gourre aussi. D'accord, bon, ça arrive. C'est ce que tu voulais dire. D'accord. Oui. Vled, as-tu un mot de la fin ou quelque chose à dire par rapport au chat ou quelque chose? Dis-nous. Tu parles très peu, Vled. Je parle très très peu parce que là, il y a beaucoup à lire, parce que les gens floudent. C'est pas eux, hein, c'est pas vous, voilà. Ce n'est vraiment pas très très gentil. Alors, est-ce qu'il y a un truc intéressant dans le chat maintenant, avant qu'on ferme la boutique? Non, les gens sont en train de chercher les pires orthographes possibles pour Bovis. Donc bon. Je dirais globalement, on reste au niveau habituel du chat de la tronche en biais, hein. On les aime, mais faut-il qu'on les aime, quoi, hein. Bien, alors, faut-il. Donc... Moi, je vais tranquillement fermer l'émission en vous disant qu'on va revenir le 14 octobre, novembre, le 14 novembre, notamment, pour le tranchant live 68, et on va parler de l'anthroposophie. Il y a des « oh ». Qui ne connaît pas l'anthroposophie? C'est une pratique sexuelle ou... ça n'est pas le Devil Triangle, c'est pas le... alors, qui ne connaît pas la scientologie?
Eh ben c'est pareil, sauf qu'on la connaît moins. Mais c'est la même chose, plus ou moins, vous verrez bien. En tout cas, ça va être velu, velu, velu. C'est l'endroit de vie, il y en a partout, jusque dans les ministères. Coucou. Bien, d'ici là, c'est la fête de la science actuellement, donc allez partout voir les copains vidéastes, blogueurs qui font de la science et allez sur le site de la fête de la science pour voir ce qui se passe. Moi, le 13 octobre, je serai à Nantes. Et les gens qui vivent à Nantes ? Non, bah vous êtes de la Lorraine. Hein. Donc moi, je serai à Nantes le 13 octobre et le 12 aussi, et je ferai des choses là-bas. Le 15, je serai à Paris pour Paris Science, sur un truc, sur le film de Gérald Brunner, sur la démocratie des crédules. Et le 17 novembre, du coup, c'est les 50 ans de la FIS au Grand Palais. Et avec Vled, normalement, sauf s'il y a un problème, on sera deux à faire une petite conférence sur les pseudosciences ont-elles gagné sur Internet. Selon vous, oui ou non ? Non ! Vous êtes vachement moins motivé quand c'est moi qui vous manque que quand c'est lui, hein. Bien. D'ici là, pour que les pseudosciences ne gagnent pas, il y a HelloAsso, Tipeee, Utip. Vous pouvez donner à la tronche en biais, là, il faut tout votre argent parce qu'on est une petite équipe dynamique avec pas de thunes et pas de matos, mais on peut progresser grâce à vous. Voilà, et Guillaume est là en train de faire... regarde Guillaume. Je comment... Montre Guillaume. Montre Guillaume. Refais Guillaume ce que tu as fait. Refais ta chorégraphie. Tu n'oses pas. Il disait, ah, donnez vos thunes. Bon, bref. Donc, pensez à nous aider parce que, en fait, si vous hésitez entre... Oui, mais est-ce que ça leur est vraiment utile ? La réponse est oui, ça nous est vraiment utile. J'ai terminé ce que j'avais à vous dire. Donc, on est très content que vous soyez là. On remercie le GEC... Ce harcèlement sexuel est totalement bienvenu. Je t'en remercie. Donc je remercie le GEC et notamment Nicolas Osda qui est le directeur qui nous a accueillis ici et du coup on viendra tous les mois parce qu'on ne sait pas où elle est ailleurs. On remercie les partenaires habituels, donc le Grand Nancy, le département, ma grand-mère, la lumière, les pompiers, les extincteurs et l'énergie nucléaire sans laquelle nous ne serions pas là ce soir. J'ai terminé. Pensez à rester sceptique, partagez autour de vous, évidemment abonnez-vous à tout. Bonne soirée. Au revoir. Merci quand même.